On va attendre une seconde pour les retardataires. Et puis on démarre. Chers collègues et néanmoins amis, alors vous avez vu qu'on a un conseil qui est assez long mais très technique, donc je souhaite que chacun puisse s'exprimer, mais que chacun, bien évidemment, prenne le temps de faire court, comme disait Madame de Sévigné. Ce ne sont pas les questions les plus longues ou les réponses les plus longues qui sont souvent les meilleures. Donc, Charles-Philippe est là, oui? Non? Bien, alors, parce que c'était sur les appels, excusez, donc Philippe Bouvier doit arriver, mais a des problèmes professionnels à régler. Dans ces conditions, le secrétaire des délégations, donc il y avait Philippe Bouvier pour moi-même, mais il va arriver de toute façon, c'est pas très grave. Et je vous propose à ce moment-là de nommer Yann Queneau comme secrétaire de séance. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. À l'acclamation soviétique. Bien, alors j'en viens maintenant au compte-rendu qui est soumis à votre compte-rendu du 25 septembre. Même cause, même effet. Oui, madame, allez-y. Monsieur le maire, les élus du groupe TPML voteront contre le compte-rendu qui ne rend pas les débats sur la délibération et surtout l'explication des votes. Alors, je vous ai déjà dit et répété, je le répète, il est établi conformément à la loi. Donc, voilà ma réponse. Alors, qui est contre? Très bien, voilà un acte courageux qui reste à l'unanimité. Je vous remercie.
Alors maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'avais une petite question sur les comptes non, rendus. Non, c'est trop tard. Non, bah alors, ce sera les L21-22 alors. Désolé, monsieur Liégeois, je poursuis l'ordre du jour. Non, mais c'est juste une question par rapport au compte rendu au niveau je des. Je vous ai dit que c'est trop tard, vous le bon, direz poserai... après, point okay. barre. L21-22 alors, ok. Mais c'est quand même incroyable. Je suis désolé, vous avez qu'à suivre et vous auriez dû intervenir au moment où vous avez la main pour voter contre. C'est aussi simple que ça. Un peu de discipline et d'ordonnancement, les choses rouleront conformément aux lois et règlements. Alors, sur le point 2 en chiffre romain, compte rendu des décisions prises par votre serviteur, 21-22-22 du Code général des collectivités. Y a-t-il des questions ? Monsieur ? Alors moi, c'était Allez. Juste pour revenir à ma question. Au niveau des comptes rendus que l'on reçoit, on a les décisions L21-22-22 détaillées. Je voulais savoir, est-ce qu'il serait possible d'avoir ces décisions détaillées avant le conseil municipal, par exemple dans la note explicative, et comme ça nous ferait gagner du temps, parce qu'on a souvent les réponses à nos questions dans la ces décisions détaillées. La règle est que je vous réponde en conseil municipal. Merci. Alors, qui vous souhaite poser une question ? Madame. C'était pas la question. Coupez votre micro. Merci. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Donc, sur la 145, s'il vous plaît, c'est la décision relative à la convention de reprise d'équipement électronique d'occasion. Qu'est-ce que c'est comme équipement ? C'est quel volume ? Quel montant ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? C'est les téléphones portables. Je viens de me saouler derrière parce que c'est comme dans les comédies grecques. Il y a un cœur. Donc, magnifique, je fais mon propre cœur parce que j'enchaîne avec la 146. Alors, allez-y. Donc, c'est la décision relative à la demande de subvention auprès de la région Île-de-France dans le cadre du soutien de l'équipement en vidéoprotection. De quelle vidéoprotection parlons-nous à cet endroit, s'il vous plaît ? Quelle partie de la vidéoprotection ? Mais, madame, ça fait des conseils et des conseils qu'on vous parle de la vidéoprotection. Et je m'étonne de votre question. Vous débarquez ou quoi ? Oui, bien sûr, monsieur le maire. Il s'agit de la surveillance que nous assurons avec le CSU, et puis c'est tout. Mais vous ne savez pas me dire de quelle partie de la vidéoprotection ça concerne ? Tout simplement parce que la vidéoprotection est indiquée partout en ville et que, bien évidemment, nous gardons une certaine confidentialité pour éviter, justement, que ça soit insécure. Merci. D'accord, donc c'est le secret. C'est pas secret, vous pouvez vous balader, vous trouverez, c'est indiqué, mais il est clair que certaines, notamment pour les nomades, nous ne le donnons pas, je dirais, à l'avance. Madame Lavagne. Pour la 147, s'il vous plaît, monsieur le maire, donc décision relative au virement de crédit de chapitre à chapitre pour un montant de 19 620 euros afin de payer des dépenses nouvelles. Quelles sont ces dépenses nouvelles, s'il vous plaît ? C'est très simple, c'est l'application de la M57. Car nous avions un trop perçu sur un certain nombre de taxes d'aménagement et que nous devons rembourser comme il se doit et que donc on abonde le 65 pour remboursement. C'est des trop perçus de taxes que nous avions effectuées. Ce qui se passe, c'est que les taxes sont perçues en matière d'urbanisme assez rapidement et que parfois les opérations ne vont pas à terme. Et quand on a perçu les taxes alors même que les PC sont soit annulés, soit l'opération ne se fait pas, eh bien on rembourse les taxes. Et ce n'est pas autre chose. Madame ? La numéro 152, s'il vous plaît. Attendez, j'y arrive, parce qu'on y a mis des numéros, mais ça va plus vite, encore faut-il tourner les pages. 152, avez-vous dit ? Oui, donc mise en concurrence pour la création d'une salle de danse. Que s'est-il passé pour que ce soit déclaré sans suite ? Tout simplement parce que les prix qui sont sortis nous posaient... Pardon ? Ah ben vas-y, réponds. Pardon. Voilà. Bon, alors la raison est très simple. Lorsque nous avons ouvert les plis, il s'avère que certains lots n'ont pas pu être attribués parce qu'il n'y avait pas d'offre. D'autre part, les quelques lots où il y a eu des réponses, on explosait les budgets. Donc, on a déclaré sans suite l'ensemble de l'opération. On a demandé aux architectes de retravailler sur leur projet. Et également, comme on a vu qu'il y avait des lots qui étaient trop gros pour certaines entreprises et
trop petits pour des grosses, de regrouper certains lots pour avoir davantage de réponses. Donc les architectes doivent nous donner un nouveau cahier des charges dans une quinzaine de jours et on relancera la consultation à la suite. Madame Kéraudrin, Théron Kéraudrin, pardon. Oui, merci, j'en aurai deux, mais j'ai commencé par la première, la 159. Attendez, laquelle ? Moi, c'est 150. Tu veux faire avant ? Vous voulez qu'on fasse dans l'ordre chronologique ou pas ? Oui, oui. 159. Attendez, j'y arrive pour la retrouver, ça y est, oui, parce qu'il faut suivre. Alors, oui, allez-y. Alors, la 159, c'est la décision relative à la modification numéro 1 du marché de gestion du centre hippique de Maisons Laffitte avec la société Equinvest concernant la mise à jour de la clause de révision de prix. On sait que le dossier est un peu compliqué, donc qu'est-ce que c'est que la clause de révision de prix ? Bonsoir. En fait, c'est une donnée technique que j'ai dû me faire expliquer aussi. Parce que donc, je vous lis l'article, ce n'est pas très long. L'indice de référence pour calculer cette clause de révision de prix soit celui connu 120 jours avant la date anniversaire et non pas le mois même, comme c'était indiqué dans la première mouture, afin de laisser aux services financiers le temps de vérifier le calcul pour que la demande parvienne 3 mois avant la date anniversaire, contrairement à 1 mois auparavant. Donc c'est vraiment un truc technique qui ne change rien au fond de la demande. Question ? Ça s'insère dans, toujours, donc on n'est pas dans une DSP, on est sur de la régie, c'est ça ? Oui. C'est ça. C'est le régime actuel. J'en aurai une autre, mais à moins que je donne la parole à ma voisine. C'était juste sur la 153 avec le partenariat avec l'ONF pour une opération qui a été réalisée le samedi 14 octobre 2023, l'opération Forêt Propre. C'est pour savoir en quoi consiste ce partenariat et si ça fonctionne, tout simplement. Parce qu'on accompagne, bien évidemment, c'est une question des... C'est la 163, hein ? C'est... 153. 153, pardon. Autant pour moi, oui. Je ne comprenais plus. Alors, décision relative à la partenariat avec l'Office, eh ben, c'est tout simplement que chaque fois, on fait opération propre et qu'on accompagne. Claude ? Oui, oui, on a fait cette opération un samedi avec beaucoup, beaucoup de monde, toute la matinée. Et les gens qui sont venus en redemandent. Une opération forêt propre avec notamment pas mal de jeunes qui nous accompagnent, etc. Voilà. C'est juste pour comprendre l'étendue du partenariat. En quoi l'ONF vous aide à réaliser cette opération ? Simplement parce qu'il donne l'autorisation d'y aller. Parce que normalement, on n'est pas à intervenir. Les entreprises ne peuvent jamais intervenir une entreprise, une association ne peut pas intervenir, notamment dans l'ONF. J'ai été sollicité, par exemple, par des jeunes parce qu'ils voulaient faire un bivouac au sein de l'ONF, de la forêt, la nuit, pour, je dirais, apprendre ce que c'est qu'un bivouac la nuit en forêt. Refus. Bien, il n'y a pas d'autres questions ? J'aimerais bien que vous posiez toutes les questions les unes derrière les autres et on n'est pas là en jouer le harceleur permanent. Madame Géin. Oui, on est d'accord pour que les questions soient prises dans l'ordre, mais à ce moment-là, vous peut-être vous annoncez les questions parce que nous, on n'est pas... Madame. On s'organise, mais pas avec allez-y. Les autres. Bon. La 155, s'il vous plaît. La 100 55. Hein. 155. Relative à la décision relative à la convention de prestation de services. Alors, c'est assez simple. C'est effectivement avec une association, Tout le Sport, qui nous permet, en temps de besoin, d'avoir un renfort en ce qui s'il y a un manque, notamment sur le sport pour des animations. Et en réalité, bon, c'est un taux horaire de 42 euros et on n'a pas fait appel à cela, à cette association, le Tout Sport, pour pallier des manques. Madame, alors attendez, qui est-ce ? C'est Tania ? Ouais, allez-y. C'est moi. Bonsoir, monsieur le maire. C'est la question, c'est la décision 158, décision relative au marché d'entretien et de maintenance des ascenseurs et des portes automatiques pour le lot numéro 1. Est-ce que l'ascenseur de la passerelle du marché est inclus dans les entretiens de d'euro-ascenseurs parce qu'il est particulièrement souvent en panne ? Est-il inclus Vous ou êtes une oublié mauvaise cet langue. Ascenseur ? Parce que c'est le marché pour l'ensemble et régulièrement on intervient. Il arrive parfois effectivement que la passerelle du marché soit même, je dirais,
on ne va pas le dire, mais mis hors service par quelques petits malins. Claude. Oui, je dois dire que Euroascenseur était titulaire du marché. Il a été reconduit par la Commission. Et ils sont quand même très disponibles parce que quand on les appelle le samedi matin ou le dimanche, ils sont là une heure après et ils réparent. Oui, bonsoir monsieur le maire, c'est sur la 160. C'est juste savoir de quoi il s'agit. C'est le 8 bis avenue du général de Leclerc. Décision destinée en justice. Monsieur, alors celle-ci, je m'en souviens bien, c'est 8 bis avenue du général Leclerc, c'était sur un refus de une attaque de permis, c'est ça? Dans l'annulation de l'arrêté par laquelle le maire a accordé le permis. Alors vas-y. On a été amené à réduire, à faire une action parce qu'il y a eu un recours sur ce projet-là, hein, tout bêtement. Il y a un recours contre ce permis, oui. Contre ce permis, voilà. C'est ça, c'est la maison de retraite Caspez. Mais sensible. Et en quoi ça concerne la ville? C'est quoi le sujet du conflit? Jamais des causes et des effets des permis qui sont pendants devant la justice, monsieur Drolle. Je vous l'ai dit 100 fois. C'est sub judice. On verra le résultat. Nous pensons que le permis est valide, point barre. Monsieur Nicolas Ljubavitch. Bonsoir, monsieur le maire. Je vais juste rebondir sur la question pour. Sans entrer dans les détails de la question judiciaire, mais qu'est-ce qu'on entend par bâtiment d'intérêt collectif dans cette décision? Tout simplement, lorsqu'un permis est délivré, il est délivré par l'autorité administrative, point barre, et que jusqu'à nouvel ordre, l'autorité administrative a vérifié tous les éléments, les tenants et les aboutissants, et elle ne peut qu'appliquer le droit. Vas-y. C'est une maison de retraite. C'est la maison de retraite qui fait l'angle de la rue Belforière et la rue Général Leclerc. C'est la maison de retraite pour personne. C'est un EHPAD, hein, d'ailleurs. Voilà. Et les voisins, bah, comme de coutume, sont toujours un peu inquiets lorsque quelque chose se fait. Voilà. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Alors, une question, justement, pour toutes les décisions qui n'y sont pas. Pourquoi ça s'arrête au 26 octobre? Alors que nous, conseil municipal du 4 octobre, on pourrait avoir jusqu'à celle au moins de mi-novembre, voire fin novembre, jusqu'au moment où vous nous envoyez les documents, puisqu'on les reçoit juste 5 jours avant le conseil municipal. Donc entre le 26 octobre et fin novembre, je suppose que vous avez pris quelques décisions. Madame, j'applique les lois et règlements. Vos errements qui ne sont pas en vigueur ne sont pas recevables. J'ai pris et je vous ai envoyé l'ensemble des délibérations que les services me font remonter et que nous sanctifions. Merci. Y a-t-il pas d'autres questions? Il y en a. Désolé, madame, je vous ai répondu. Ce n'est pas la peine d'insister, vous êtes dans votre tort. Bien. On va quand même pas épiloguer sur des âneries, hein. Bon. Alors, maintenant, on en vient aux questions et informations de votre serviteur. Alors, madame Vivien, sur le salon des arts. Le Salon des Arts, ben, c'est un succès de fréquentation, d'exposants et de vente aussi. On vend bien. Alors, et le public est très content. Succès de fréquentation des classes. Voilà, vraiment une réussite. Au passage, je souhaite bien sûr que les conseillers municipaux aillent le voir. Et je n'ai pas vu grand monde en dehors d'une personne des membres de l'opposition. C'est bien dommage. Parce que c'est un beau salon. J'en viens maintenant à la question d'Octobre Rose, Madame de Balanda. Yann qui répond. Merci Yann. Alors pour la troisième année consécutive, la ville de Maisons-Laffitte s'est encore mobilisée pendant le mois d'octobre pour la lutte contre le cancer. Donc les commerçants ont participé en organisant une grande tombola. Les athlètes ont encore participé en organisant la traditionnelle maintenant mansonnaine. Les cavaliers également se sont mobilisés en organisant une épreuve spécialement pour l'association. Les commerçants également du marché se sont mobilisés en mettant à disposition des tirelires. Et tout ça, heureusement, bien épaulé par tous les services de la ville
qui ont encore fait un travail remarquable. Donc toutes ces actions, elles ont permis de récolter une somme record cette année de 14 000 euros, hein, que comme les années précédentes, nous avons décidé de reverser à l'association HOPE, et qui va leur permettre d'aider 14 femmes pendant ou après leur cancer. Donc encore une belle réussite. Merci. Alors maintenant, j'en viens aux questions qui m'ont été posées de l'opposition. Je tiens à dire en propos liminaire que j'ai eu la satisfaction de voir que vous avez posé des questions courtes, qui sont parfaitement légitimes, et je tiens à vous en remercier, parce que ce n'est pas la peine de faire un laïus qui dure très longtemps. D'ailleurs, je me proposerai, d'ailleurs, à mon avis, ça doit tenir en 2 minutes, les questions et les réponses. Alors, j'en viens, Jean-Claude de Giraud doit arriver, il m'avait dit qu'il serait avec trop tard, donc s'il arrive, je lui passerai la parole, mais pour l'instant, il n'est pas là. Vous connaissez la règle, c'est que, bien évidemment, si on n'est pas là, eh ben, on ne peut pas poser une question. C'est la règle qui vaut dans toutes les associations et tous les conseils démocratiques. Alors j'en viens maintenant, effectivement, à Nicolas Ljubenović, qui est en position numéro 2. Pour rien vous cacher, il s'est pris le taux, là, je n'ai jamais vu ça. À 14h53, je l'ai reçu. Bravo, cher collègue, et néanmoins ami. Alors, allez-y. Il est vrai que je suis plutôt dans les retardataires généralement, enfin les tardifs. Monsieur le maire, les préfets ont désormais achevé les bilans SRU pour la période triennale 2020-2022 qui demandent à ce que la commune suive un objectif afin d'atteindre les 25% de logements sociaux. À l'issue des précédents triennaux, nous étions à Maison Lafitte à 11,47% de logements sociaux en 2014 et 11,95% en 2019. Ces retards constants nous ont valu d'être une commune carencée depuis bientôt 10 ans. L'objectif de la ville pour les 3 dernières années était de 693 logements sociaux, dont au moins 30% en PLAI et moins de 30% en PLS. Pourriez-vous nous dire où se situe Maison Lafitte dans l'atteinte de ces objectifs, tant de manière quantitative que qualitative? Notre ville sera-t-elle carencée pour 3 ans de plus? Quel sera l'impact pour l'amende SRU qui s'élevait jusqu'à présent à plus de 800 000 euros? Alors, mon cher collègue, je vais vous dire que c'est tout à fait dans votre style que de défendre des lois scélérates, comme aurait dit Tonton, parce que cette loi est inapplicable dans nombre de cas. Et je regrette que l'État applique partout des lois de manière, je dirais, brutale, telle venant d'en haut, alors même qu'il existe des raisons absolument objectives pour justement ne pas pouvoir l'appliquer. Je rajoute que cela étant, la ville de Maison Lafitte n'a aucun, je dirais, leçon à recevoir, surtout pas de l'État dans ce domaine. Premièrement, il faut savoir que lorsque, en 1989, je suis arrivé aux commandes, si je peux me permettre cette boutade, il y avait 380 logements sociaux. Et aujourd'hui, en 2023, écoutez bien, il y en a 1624. Et on dépasse les 14%. Donc, nous avons fait ce qui devait être fait, mais bien évidemment, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, notamment, que le préfet lui-même a reconnues. Dans l'arrêté de carence initiale, il a clairement dit qu'il était très difficile de construire des logements sociaux à Maison Lafitte en raison du manque de foncier, en raison des contraintes qui pèsent sur nous, puisque vous savez qu'il y a une multitude de servitudes publiques, tant sur le parc qu'ailleurs, avec un certain nombre de monuments classés, et que ce n'est pas si évident que ça. Et surtout, parce que je voudrais vous dire qu'on n'a pas de leçon, parce que dans cette période écoulée depuis que nous sommes, et d'ailleurs, vous savez, je le souligne, la ville de Maison Lafitte a construit des logements sociaux avant même la loi Guesso. Donc les leçons de morade, walou, comme on dit chez les Saxons. Hein. Et donc, il faut que vous sachiez que sur la période, on a construit, par rapport à tout ce qui s'est construit à Maison Lafitte, près de 44% de logements sociaux. Donc on n'est pas en manque, mais il y a des contraintes. Premièrement, nous avons versé, et je vous le rappelle, 13,5 millions d'euros depuis 2002 en subventions pour charges foncières. Nous avons également garanti près de 51 millions d'euros, ce qui est un scandale, avec la Caisse des dépôts. Je le dis comme je le pense, et j'ai pour objectif de ne plus garantir ce genre de choses. Et je voudrais aussi vous dire qu'il y a quand même un certain nombre d'opérations, par exemple l'opération Beltrame,
que vous connaissez, au 27 rue de Solferino, 53 logements, eh bien, en participation communale pour réaliser l'opération, c'est 3 300 000 pratiquement, soit 900 euros par mètre carré, et que chaque logement a coûté à la ville 78 000 euros. J'ajoute que dans l'opération Citroën également, c'est la même chose, puisqu'on atteint 86 000 euros par logement. Donc, ce n'est pas une mince affaire que de réaliser ici. Quant à la rue d'Alsace, il y a 28 logements et ça a coûté plus de 2 millions. Quand j'ai dit que notamment les 800 mètres carrés avaient coûté à la ville, et quand je dis 2 millions, je suis en deçà de la vérité, eh bien, figurez-vous, quand j'ai dit ça au préfet, il a fait tomber dans les pommes, tellement qu'effectivement, il y a des problèmes. J'ajoute également, et ça vous l'avez lu dans le SDRIF si vous avez lu mes propos, que le ZAN, c'est-à-dire le zéro artificialisation net, montre que pour Maison Lafitte, il y a zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun terrain qui soit possible à urbaniser. C'est ça la réalité. Donc quand vous venez avec des slogans, je dirais, dire qu'on ne fait pas des efforts, eh bien si, on a fait des efforts, et je peux vous dire que j'ai plaidé la cause, hein, et notamment lorsque j'ai été reçu par la DTT et le préfet, et il est évident que je sais, puisque j'ai déjà une lettre du préfet qui m'est arrivée, mais ce n'est pas encore définitif, que nous n'aurons pas d'augmentation de la, je dirais, des sanctions. C'est pour moi une évidence, c'est qu'on est incapable de construire un certain nombre de logements sociaux. J'ajoute, et vous le savez, il y a des centaines de milliers de logements sociaux vacants en province. Ce serait plus facile d'y aider les entreprises à s'y installer que de vouloir tout concentrer en région parisienne, où si ça continue, on ne pourra plus bouger. Voilà ma réponse. Merci. Donc, j'en viens maintenant à la réponse aux questions qui m'ont été posées par... cette fois-ci, j'ai reçu ça de part de Madame Géin. Je parle maintenant, donc, TML. Philippe Liégeois, c'est à vous. Monsieur le maire, en juin 2020, vous promettiez de mettre à l'étude la création de navettes autonomes au biogaz pour relier le centre de Maison Lafitte à des points stratégiques de la ville. Deux ans plus tard, lors du conseil municipal du 15 mars 2021, je vous posais la question pour savoir où en était le projet. L'adjoint aux travaux avait répondu lors de ce conseil qu'il fallait s'appuyer sur la communauté d'agglomération. Deux ans plus tard, en 2023, je vous repose la même question. Où en est le projet? Quel est l'élu de Maison Lafitte qui appuie à la communauté d'agglo? Une desserte était envisagée sur l'hippodrome. Il faut souhaiter que ce projet aboutisse plus rapidement que celui lié à la reprise des courses. Vos derniers commentaires sont inappropriés et traduisent simplement la polémique. Tenez-le-vous pour dit. Alors, premièrement, ce n'est pas des navettes au gaz. Ce sont des navettes, effectivement, électriques que l'agglo va se proposer d'étudier, justement, pour 2024, pour Maison Lafitte. Le problème est assez simple. C'est que l'agglo a fait des essais. À Saint-Germain, ça a raté. Et ça a été, la ville a abandonné l'essai. Ça ne fonctionne actuellement, visiblement, assez bien que du côté de Houille. Donc, j'ai demandé que l'agglomération puisse étudier, effectivement, puisse faire une expérimentation pour des navettes et on va regarder où et comment. L'idée que j'ai, c'est peut-être du côté de l'hippodrome, pourquoi pas, et aussi du côté des caves du Nord, puisque nous avons un certain nombre de gens qui nous ont demandé d'avoir des lignes. Alors, le protocole est très simple. On fait des expérimentations. Si c'est pris, si les gens, je dirais, viennent, alors que dans certains cas, ça n'a pas fonctionné, eh bien, à ce moment-là, on se tourne vers Île-de-France Immobilité pour en faire une ligne régulière. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il n'y a pas, c'est pas avec, c'est pas avec du biogaz. Alors, voilà, voilà ce que je peux vous dire. Madame Géin, s'il vous plaît. Monsieur le maire, ma question porte sur le SIAP et sur son site principal, Seine-Aval-Achère, à proximité de Maison Lafitte et est classé Céveso seuil haut. Ce site traite 1,5 million de mètres cubes par jour.
au-delà des nuisances, c'est le sujet de la sécurité que je souhaiterais aborder. Accidents à répétition, dégagement gazeux en 2018, incendie en 2019, fuite de biogaz en 2022, inondation d'un bâtiment en 2023, accident d'une barge en 2023. Il y a eu des inspections de la DRIEAT et des mises en demeure de la préfecture, mais il semble que l'évolution soit lente. Le SIAP vient par ailleurs de faire un gros emprunt pour soutenir une réhabilitation de ces structures abîmées depuis 2019. Pouvez-vous nous informer de manière précise sur cette question de sécurité et d'autre part, nous donner votre vision à long terme sur le schéma d'assainissement régional? Non, mais votre question est tout à fait légitime. Simplement, je regrette que vous fassiez un peu d'amalgame. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être effectivement, entre guillemets, imputées au SIAP, mais pas tout. Alors, je vais effectivement vous dire que le SIAP vient de rencontrer d'ailleurs une certaine difficulté, car ils ont été l'objet d'une attaque cyber, et qu'actuellement, les relations que j'ai avec le directeur ou avec le président se font sur des numéros personnels, car du côté de l'administration, ça ne fonctionne pas. Pour rien vous cacher, heureusement, enfin je sais que la cyberattaque n'a pas touché l'informatique industrielle et a simplement touché en partie l'informatique bureautique. C'est en cours de rétablissement. Pour rien vous cacher, il devait y avoir une réunion de la convention du suivi qui devait avoir lieu le 29 novembre et qui a donc été annulée. Et François-Marie Didier m'en a averti personnellement par lettre et par message. Alors, venons maintenant à ce qui s'est passé. Où en est-on? Il est exact qu'il y a eu, vous le savez, entre 2018 et 2019, trois incidents majeurs. Le plus fort a été cette histoire de clarification, n'est-ce pas, avec la ferrique, et qui est venu de quelque chose, moi, qui m'a stupéfait, c'est qu'il n'y avait pas dans ce bâtiment d'alerte électrique et que personne, et que c'est devenu d'un coup, et l'incendie a duré, comme vous le savez, des semaines. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, l'État a pris le taureau par les cornes, l'Adriate également, et il y a eu des changements de gouvernance, pour rien vous cacher, et le SIAP a pris des mesures assez fortes en matière de sécurité. Il adhère à la MAS, qui est une entreprise de sécurité, et surtout, il a en présence permanente 27 pompiers et 60 agents sur le site qui sont dédié à la sécurité. Il a déjà investi 30 millions d'euros et il doit aller jusqu'à 50. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu la venue sur place d'une société leader mondial en matière de sécurité dans les unités industrielles qui est Dupont de Nemours. Lorsque la sanction est tombée, c'était donc en 2019-2020, début 2020, la note qu'a eu le SIAP, c'était 1,5 sur 5. Et donc, immédiatement, il a fallu prendre des mesures pour remonter la pente. Aujourd'hui, ils sont à 2,5. Il faut qu'ils atteignent 3,5 dans ce nomenclature de Dupont de Nemours, avec une filiale qui s'appelle Dupont Sustainment Solution, pour parler franglais. Et donc, c'est en cours, et ils sont actuellement, en octobre 22, à 2,6 plus exactement sur 5, mais ils pensent arriver à 3,5 en 2024. Donc, ça va dans le bon sens, et nous sommes, bien sûr, toujours à l'écoute de ce qui se passe. Il y a eu effectivement l'histoire de la barge, mais l'histoire de la barge, ce n'est pas de la responsabilité du SIAP stricto sensu, c'est le transporteur.
Et alors, vous allez me dire, mais il y a eu un problème. Bon, il n'y a pas eu trop d'incidents. La barge a été rétablie. Elle avait heurté le pont. Et il vaut mieux que, bien sûr, un certain nombre de matières chimiques arrivent par barge, car sinon, une barge peut... c'est l'équivalent pratiquement de 500 à 600 camions. Donc, il vaut mieux que ça soit sur la barge que ça soit sur les routes. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ce n'est pas terminé parce que effectivement, il y a une volonté également de mettre en place un schéma directeur régional qui est en cours de révision. Et là, la DRIAD a notamment écrit et fait connaître au SIAP qu'il fallait qu'elle ait une capacité suffisante de traitement parce qu'elle elle estime, la DRIAD, que cette Seine navale n'a pas toujours la capacité de traiter sans rejet ce qui lui est envoyé lorsqu'il y a des orages ou des éléments exceptionnels. Donc ça signifie très clairement qu'une étude de robustesse est en cours et que, bien sûr, on nous présentera ça, je l'espère, au début 2024, lorsque la cyberattaque sera réglée. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Mais nous suivons ça de manière pas quotidienne ou presque. J'ai régulièrement des alertes. On me dit, il y a ci, il y a ça, c'est mineur. Mais ils font... Je dirais ceci, que bien évidemment, le chapeau... Le boulet est passé si près que le chapeau a failli en tomber. Et donc, il y a eu une nécessité de remettre, je dirais, les choses de façon carrée. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de le faire sous l'autorité de la DRIAD et du préfet. Voilà ce que je peux vous dire. Bien, alors je poursuis parce que c'était une question intéressante à laquelle il fallait répondre. Alors maintenant, Monsieur Drolle, vous êtes en plein dans les lois anti-gaspillage, ça m'étonne de vous. Allez-y, posez votre question. Oui, bonjour Monsieur le maire. À compter du 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, le tri des biodéchets sera généralisé et concernera tous les professionnels et les particuliers. Les biodéchets, que sont les déchets verts, mais également les déchets alimentaires, représentent environ un tiers des déchets non encore triés. La valorisation de ces déchets via le compostage, l'épandage ou la méthanisation permet non seulement de réduire significativement l'émission de méthane dans l'atmosphère, mais également est appréciable d'un point de vue environnemental. Notre communauté d'agglo étant compétente sur le sujet, plusieurs communes de l'agglo, donc Houille, Saint-Germain, Le Peic, Port-Marly et Croissy-sur-Seine, ont déjà mis en place des solutions de récolte et de traitement de ces déchets. Qu'est-il prévu à Maisons-Laffitte? Vas-y, coupez, c'est bon. Claude va vous répondre. Oui, alors d'abord une première rectification. Non, les particuliers n'auront pas l'obligation de trier leurs biodéchets au 1er janvier 2024. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire concerne les collectivités ayant pour compétence la gestion des déchets, donc la communauté d'agglo. C'est M. Perrault, Jean-Yves Perrault, qui s'occupe de ce sujet. Et l'agglo a mis en place une expérimentation en cours depuis octobre 2022 dans le domaine de la collecte et du traitement des biodéchets. Il y a des bornes connectées qui ont été installées, donc dans les communes que vous avez nommées. Et avant d'aller plus loin, une étude est en cours sur les différents scénarios possibles pour toute l'agglomération. Donc l'ensemble permettra de mettre en place des modes de collecte et des solutions de traitement les plus adaptées au territoire, en vue d'un déploiement progressif à partir de 2024. Donc ce temps d'étude et de concertation est essentiel pour proposer une solution réfléchie au regard des enjeux qui soient environnementaux, mais aussi financiers. Et j'ajoute que nous y réfléchissons parce que effectivement, c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment dans les écoles, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça. Il faut former le personnel pour leur dire ça, que ça va dans des conteneurs particuliers
etc. Mais c'est une bonne démarche. Alors, Monsieur Charles Givanidovitch, oui, monsieur posez le maire, votre question. Il a été annoncé aux Mansoniens la possible arrivée de cavaliers internationaux à Maison Lafitte pour leur entraînement avant les Jeux Olympiques. Pouvez-vous nous dire si cette information est confirmée et le cas échéant de quelle équipe s'agit-il et pour quelle discipline? Par ailleurs, une subvention a été allouée par le conseil départemental des Yvelines pour la réfection de la carrière Molière, donc qui se situe près de l'hippodrome. Quel est le budget global, à la fois de la réfection et de cette subvention? Et si nos souvenirs sont bons, cette carrière avait déjà été refaite par la ville. Vous l'aviez inaugurée courant 2018. Cette réfection était-elle insuffisante? Bien. Madame de Ballon. Alors, pour les équipes, les derniers qualifiés ont été qualifiés il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc, on sait maintenant l'ensemble des équipes qui seront représentées aux Jeux Olympiques. Il y a une vingtaine de pays. Donc, on va faire parvenir, évidemment, notre dossier de candidature à l'ensemble des équipes, sachant que c'est un peu toujours les mêmes à chaque JO. Ce sont les pays phares qui sont toujours plus ou moins qualifiés. Il y a quelques nouveaux arrivants comme... la Chine ou l'Arabie Saoudite ou les Mexicains, mais globalement, c'est un peu toujours les mêmes. Et les Jeux Olympiques s'intègrent dans un circuit qui commence à peu près en mars ou avril en Europe et qui aura lieu, mais qui a lieu tous les ans, même sans les Jeux Olympiques, dans tous les pays d'Europe et en France en particulier. Donc, toutes ces équipes ont souvent des lieux où elles vont tous les ans depuis des années, où elles se basent. Les Chinois chez Marcel Rosy à Bois-le-Roi, les Mexicains, les Brésiliens en Belgique. Donc, on va faire parvenir notre dossier de candidature, mais on n'est pas du tout sûr d'être choisi. Donc, ça, c'était ma première réponse. La deuxième réponse, de quelle carrière parlez-vous? Une inauguration qui aurait eu lieu en 2018? Oui, mais la carrière Molière, il y a 4 carrières, en fait, sur les carrières Molière. Donc, non, mais je fais exprès, bien sûr. Pardon? Ah, donc la carrière d'honneur. Non, la carrière d'honneur n'a pas été refaite. Les tribunes ont été posées et l'inauguration, c'était donc les tribunes. Tous les ans ou tous les deux ans, on fait un entretien régulier de l'ensemble des carrières du site, puisqu'il y en a 4, comme je vous l'ai dit. La subvention concerne 50% du projet. Donc c'est une subvention d'un peu moins de 530 000 euros, 528 000 euros de mémoire. Pour un projet global d'1,2 million, le point principal des réfections serait une nouvelle technologie qu'on appelle l'aquarégule, qui est une technologie qui permet d'irriguer les carrières par le sol, alors qu'aujourd'hui, si vous y êtes allé, vous avez dû voir, ce sont des arroseurs aériens dans lesquels il y a une énorme déperdition d'eau. Donc la régulation par le sol et l'irrigation par le sol permet d'avoir une déperdition d'eau. Enfin, un arrosage global sur l'ensemble de la carrière donne une qualité uniforme et meilleure pour les jambes des chevaux et surtout économise beaucoup d'eau parce que c'est un cycle fermé. Donc, c'est l'essentiel du projet reporte sur l'aquarégule. Voilà. Même aller plus loin, on a reçu du département 550 000 euros. 528, oui, c'est ça. Donc, merci au département à ce propos. Mais il est clair que pour l'instant, je vais vous dire une chose. Ce que j'ai su avec Véronique, c'est que il y a même des équipes qui sont, je dirais, familières à venir en Europe, et certaines, il y en a une qui va en Belgique, hein, c'est ça? Vas-y. Il y a des équipes étrangères qui sont basées à l'année, en fait, qui ont un drapeau étranger, mais qui sont basées à l'année en Europe. Voilà. Donc, nous, on va voir. Mais alors, ce que ça sera très clair, hein, c'est que ça ne sera pas gratos pour DA, parce que je peux vous dire que ce sont des coûts. Il faut donner, si jamais on reçoit des chevaux, il faut les mettre. On a des endroits pour les mettre, ça c'est clair. Mais ensuite, il faut le fourrage, etc. Et donc, ils se prennent en charge. Et je crois que c'est la règle un peu partout. Ça dépend des endroits, mais oui, ça c'est la règle. Mets ton micro. Voilà, bien. Alors maintenant, je passe à Tonia Günther, qui pose une question tout à fait étonnante. Merci. Allez-y, madame. Oui, monsieur le maire. Cela fait plusieurs fois que nous vous adressons la question sur le renouvellement de la convention entre la ville et la Ligue de protection des oiseaux. Cette convention est caduque depuis des années et pourtant, vous l'avez citée dans la Charte de l'Arbre et dans le magazine de la ville. La question a été posée pour une deuxième fois lors du conseil municipal du 25 septembre. Vous avez répondu que c'était en cours. Pourriez-vous alors nous dire aujourd'hui si oui ou non cette convention a bien été renouvelée?
Madame Coutard et ensuite Régis Philippon vous dire un mot. Madame Coutard, à vous. Oui, alors tout d'abord, je vous prie de m'excuser. En effet, j'étais absente au conseil municipal de septembre, donc c'est la raison pour laquelle on n'avait pas pu vous apporter une réponse à ce moment-là. Donc, comme le disait si bien Monsieur Miard, les discussions sont en cours avec la LPO. Alors déjà, l'objet de cette convention, pour le rappeler pour tout le monde, c'est la mise à disposition au niveau de la commune d'un espace de préservation de la biodiversité et de la nature que la LPO appelle refuge d'excellence, jardin d'oiseaux. Donc, les discussions sont en effet en cours pour renouveler, remettre en place un refuge d'excellence au niveau de la commune, au niveau des berges de Seine, plus précisément. Et pour cela, une première visite de site est programmée à l'occasion du printemps 2024 pour discuter des différentes options possibles. Ensuite, nous devrons d'ici l'été fournir un ensemble d'informations très complet sur la surface, la localisation, les prestataires, des espaces verts, le choix du référent, enfin un certain nombre d'informations très techniques. Et si nous satisfaisons aux critères, à ce moment-là, notre projet sera soumis à une commission, un passage en commission à l'automne 2024. Alors, voilà. Si j'ai bien compris, parce que tu me l'avais dit, c'est que la LPO nous a dit on ne peut rien faire avant parce qu'ils sont surchargés. Oui, alors c'est vrai, j'étais certes absente au mois de septembre, au conseil municipal de septembre, mais pour autant, les discussions avec la LPO sont très, très difficile à établir parce qu'ils sont débordés et donc ils n'arrivent plus à faire face à toutes les demandes. Alors, Régis. Oui, c'est un complément d'information qui va effectivement sur le sujet de la biodiversité. On a de la chance parce que le label dont je vais parler, ils sont un petit peu moins surbookés que la LPO. En fait, comme vous le savez, Maison Lafitte a obtenu il y a 2 ans maintenant une première abeille apicitée pour la qualité de la biodiversité de notre commune. Et donc, c'est avec une grande fierté que nous vous annonçons que la ville de Maison Lafitte a obtenu sa deuxième abeille décernée par le comité de labellisation apicité. J'en profite pour adresser quand même un grand merci aux services de la ville qui ont contribué dans le cadre de cette labellisation, car ce ne sont pas moins de 40 critères qui ont été examinés pour obtenir cette deuxième abeille, pour l'approfondissement de l'engagement de Maison Lafitte et les projets prometteurs en faveur de la protection des pollinisateurs et les actions pour la biodiversité de notre commune. Le comité de labellisation reconnaît ainsi une démarche remarquable. Ce n'est pas tous les jours qu'on a droit à ça, donc on en profite. J'ai un deuxième sujet qui va prendre une minute supplémentaire. En plus, toujours au sujet des abeilles, dans le cadre du budget participatif écologique de la région, nous sommes fiers d'annoncer que notre projet de ruche pédagogique a été lauréat. Une subvention de la région permettra, en plus de ce que l'on mettra, nous, ville également, au niveau du budget, l'acquisition d'une ruche numérique ainsi qu'une ruche, entre guillemets, cheminée pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, à la sauvegarde des abeilles et autres pollinisateurs essentiels pour la biodiversité de notre ville. Merci. Alors, je voudrais même ajouter une chose. Excusez-moi. C'est que, pardon. Juste par rapport instant, à... Madame. Attendez un instant, s'il vous plaît. Bien, c'est que nous avons aussi une opération sur les rouges-gorges qui est menée par une chercheuse allemande qui, notamment, est en train de regarder comment ces rouges-gorges vivent sur les berges de Seine, et c'est en cours. Il va y avoir une deuxième campagne au premier semestre 2024. Et puis, je terminerai par le fait que moi, je nourris les oiseaux, madame. Et je vous invite à venir voir comment les mésanges viennent batifoler dans mon jardin, avec, il est vrai, aussi les fameuses perruches qui viennent parfois, mais les mésanges n'ont pas peur. Donc, je suis tranquille. Alors, vous vouliez dire quoi pour en finir avec les oiseaux? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste dire que si la convention de la LPO n'était plus en vigueur, pourquoi communiquer dessus dans le magazine de la ville et dans la charte de l'arbre? Une convention, elle a existé, elle n'a pas été renouvelée et le texte est parfaitement clair. Merci. Alors, j'en viens maintenant au point 4 que je vais présenter. C'est aussi simple que ça. Oh, je vous ai oublié. Oh là là. Oh là là. Excusez-moi. Autant pour moi.
Mais alors, allez-y, madame, posez votre question. Merci. Exactement. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, j'assiste depuis quelque temps, comme bien d'autres mansoniens, à une hausse de l'insécurité dans notre ville, dans le parc, mais aussi sur les trottoirs de l'avenue de Longueuil. Et ce n'est pas qu'un sentiment, puisque c'est ce qu'on dit fréquemment. Les vols augmentent et sont de plus en plus violents. Votre majorité avait déjà alerté les habitants au regard des risques de vols à l'arraché dans le magazine de la ville de juillet-août 2022 et consacre de nombreux articles à la prévention des cambriolages, dont le nombre apparaît également en hausse. Un constat s'impose. Maison Lafitte n'est pas une bulle protégée de l'extérieur. Elle ne déroge pas à la règle de la hausse nationale de l'insécurité. Aussi, afin de prendre la véritable mesure de la situation, je vous demande de bien vouloir nous livrer les chiffres de la sécurité à Maison Lafitte. Nous disposons déjà de la comparaison 2021-2022 qui matérialisait une hausse de 24,7% des crimes et délits en seulement un an, passant de 785 crimes et délits en 2021 à 979 en 2022. Qu'en est-il désormais en 2023 ? Quel est le nombre de violences faites aux personnes, de vols, de cambriolages, de dégradations et de crimes enregistrés depuis le début de l'année? Quelle est l'évolution en valeur et en taux par rapport à 2022? Je vous en remercie. Gino, je vais vous donner un certain nombre de chiffres qui sont tenus par la direction départementale de la sécurité publique, car je vous rappelle que les statistiques sont du monopole du préfet et du procureur de la République. C'est pour cette raison que la comparaison sur quelques infractions données porte sur, bien sûr, 2022 et le premier trimestre de 2023. C'est au début de l'année 2024 que le préfet et le procureur de la République, seuls compétents, rendront publics ces chiffres. Je prends les chapitres importants. Volailles violences en 2022, 9. Et sur le premier trimestre 2023, 2. Donc, vous voyez, là, c'est une diminution. Vol avec infraction en 2022, 169. Premier trimestre 2023, 58. Vol d'automobile, là, nous avons une augmentation, si on projette, puisqu'en 2022, nous en avions 21. Et au premier semestre 2023, 13. Les destructions et les dégradations volontaires, 64 en 2022 et au premier semestre 2023, 25. Quant au vol à la roulotte, nous en avions 63 en 2022 et au premier semestre, 39, ce qui montre l'augmentation. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, il y a 15 jours, j'assistais à une réunion de synthèse sur la sécurité à la préfecture. Et évidemment, les synthèses étaient faites par la direction de la sécurité publique. La page qui concerne Maison Lafitte, je vous lis que quelques lignes. J'invente pas, hein, c'est sous la plume du directeur de la sécurité publique. Il s'agit d'un secteur calme au regard de la délinquance, même si de manière sporadique, il peut arriver que des vols avec effraction surviennent dans les résidences. La délinquance reste faible, maîtrisée sur la commune de Maison Lafitte. De ce fait, la zone peut être considérée comme une zone à faible risque. Ensuite, troisièmement, je vous donne rendez-vous au début de l'année 24 pour faire une comparaison complète. C'est juste une chose, c'est que malheureusement, à un certain moment, enfin, c'était surtout vrai pendant le premier semestre 23, il y avait des mineurs qui jouaient les montres en l'air. Et c'est un réel problème parce que les mineurs, 14-15 ans, montaient dans les immeubles par les balcons, étaient souvent arrêtés. Et puis le lendemain matin, on les retrouvait, les policiers les retrouvaient en train de faire les mêmes délits. Vas-y. Vous aviez très justement dans votre question dit que Maison Lafitte n'est pas une bulle, mais si les chiffres que je vous ai donnés et par projection montrent dans certains cas une augmentation, d'autres de diminution, j'avais moi pour 2022-2023
des statistiques du ministère de l'Intérieur, alors là, cette fois-ci très globale, mais alors je vois des augmentations systématiques allant de 11% jusqu'à 15% dans les différentes catégories d'infractions pour le territoire national. C'est une constatation. Enfin, ce qui est certain, c'est que j'ai beau dire et répéter que c'est la principauté libre sérénicisme de Maison Lafitte, malheureusement, nous avons, comme vous le savez, une délinquance importée avec notamment des bandes et notamment des gens qui viennent de l'Est et qui ne sont pas si faciles à trouver, à faire condamner, etc. La justice n'est pas véritablement laxiste. Simplement, quand vous avez des mineurs, ça ne va pas. Oui, madame. Juste pour bien comprendre la comparaison qui a été donnée, comme il y a parfois des périodes un petit peu différentes, l'année complète 2022 et une petite période 2023, est-ce que vous pourriez me dire, parmi tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce qui est en hausse et ce qui est en baisse, a priori ? A priori, si vous voulez, mais je regarde sous les yeux, vous avez les vols avec violence, c'est en baisse. Les vols d'automobiles sont en augmentation. Les vols à la roulotte sont en augmentation. Et puis, les vols avec effraction sont en diminution. Voilà. Il y a des chiffres qui ne sont pas communiqués, parce qu'évidemment, vous parliez de crimes, assassinat, néant, ou homicide volontaire, néant. Vous avez un certain nombre de catégories qui, pour Maison Lafitte, ne sont pas communiquées, trop faibles pour qu'il y ait un sens. Mais ça, dans les catégories les plus importantes, je vous ai donné en plus ou en moins. Donc, ce sera donné par écrit. Merci. On revient maintenant au point 4. Vous savez que Brigitte Boiron, ici présente, s'est rendue au Grand Bornand pour aller étudier et visiter, sur lequel on y reviendra tout à l'heure, un centre d'accueil pour nos enfants. Et qu'à ce titre, elle bénéficie d'un mandat spécial. Aussi, je vous demande de voter cette délibération qui confirme un mandat spécial à Brigitte Boiron afin de se rendre au Grand Bornand pour visiter la structure d'accueil du séjour, notamment pour l'hiver 2024. Pas d'opposition, adoptée. Alors, j'en viens maintenant. Alors, comme notre ami Philippe n'est pas là, donc je vais présenter une série de décisions dont certaines sont quasiment répétitives. Il y a d'abord une perte, le point 5, sur créances irrécouvables. Comme vous le savez, il y a des créances irrécouvables admises en non-valeur. Et puis, il y en a certaines qui sont définitives. Et donc, vous avez deux tableaux que vous avez regardés. Il y a d'abord un premier tableau pour les années 2014 à 2021, pour 4350. Alors, ce sont des créances qui pourraient être, récupérées s'il apparaît que les débiteurs reviennent à meilleure fortune. C'est le premier tableau. Le deuxième tableau, en revanche, ça, c'est perdu complètement. Et de 2016 à 2022, il y en a pour 3 085,14 euros. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. C'est adopté. Alors, le point 6, c'est les fameuses attributions de compensation définitive, les AC, qui nous viennent de l'aglo. Et là, vous voyez que la ville de Maison Lafitte va percevoir, je l'espère encore en 2024, s'il n'y a pas de coup de jarnac, 6 880,283. Voilà, c'est quelque chose qui a été acté par l'aglo et qui, bien évidemment, a fait l'objet de délibérations par le conseil communautaire et le bureau des maires. Vous avez une question, madame? Allez-y. Bien évidemment, nous allons voter cette délibération puisque c'est uniquement une délibération technique. Néanmoins, comme l'a fait remarquer la Cour des comptes, le coefficient d'intercommunalité est très très bas et on sent très nettement une mauvaise volonté de la part de Maison Lafitte et d'autres villes également de vouloir vraiment créer une intercommunalité au sein de cette une vraie intercommunalité au sein de cette communauté d'agglomération.
Il nous a semblé vous dire, et on vous a déjà répondu en conseil communautaire, que c'était effectivement quelque chose qui relevait de la seule compétence des maires, peu importe ce qui est dit par ailleurs, par idéologie. Voilà. Alors, qui est contre ? Personne. C'est adopté. Point 7. Alors là, et les points suivants, c'est l'autorisation d'engagement de liquidation de mandatement des votes pour le budget 2024. Et là, il s'agit d'engager 25% de dépenses d'investissement sur le budget de la ville. Et donc, c'est ce qui nous permet, s'il y a des pépins, pour faire face par rapport aux dépenses avant le vote du budget. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Le point donc 7 est adopté. Je précise que derrière, pour les AP, c'est pas 25%, mais c'est 33%. Mais ça ne change rien à la nécessité d'avoir cette capacité à agir. Pas d'objection, adopté. Point 8, en chiffres romains, il s'agit de la gestion assainissement que nous gérons avec, bien évidemment, l'agglo dans l'usine à gaz qui nous a été imposée. Et là encore, il s'agit de 25% des crédits ouverts pour par rapport à l'exercice précédent. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Adopté. Je poursuis avec le point 9. Tout ça est fastidieux, mais on est obligé de le passer au conseil municipal. Alors, budget de gestion de l'eau potable. Il y a un rapport, d'ailleurs, qui vous est présenté in fine de ce conseil. Et donc, il s'agit 25% des investissements. La même chose, même vote. Merci. Je poursuis. Budget de gestion des eaux pluviales. Alors, les eaux pluviales, chez nous, c'est un budget annexe, mais au niveau de l'agglo, c'est le budget général. Hein. C'est ça. Voilà, c'est encore quelques, je dirais, quelques choses trappes qu'on peut avoir. C'est le point 10. Là encore, en matière d'investissement, toujours pour l'eau, 25%. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. C'est acté. Merci, je tourne les pages. Je ne fais que ça, d'ailleurs. Et j'en viens encore au budget parc de stationnement. Là encore, c'est un budget annexe chez nous, comme vous le savez. Et donc, il s'agit d'autorisation d'investissement pour 25% par rapport au crédit alloué. En l'occurrence, il y en a pour 175 000 euros. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Adopté. Alors, budget ville 12, attribution d'une avance sur subvention à l'Office du tourisme. Donc, là aussi, je vais le présenter, mais attention, quoi, j'en ai raté une, c'est possible. Pardon ? Mais attends, il n'y a pas que Béatrice qui sort, et on se calme là. Hein. Bon, il y avait, alors, sort toutes les personnes qui ont affaire avec l'Office du tourisme. Il y a Madame de Balanda, il y a Monsieur Moore, il y a Quenot et Madame Coutant. Allez, allez faire un tour dehors. Coutard, pardon, pas Coutant, oui, excuse-moi, je me prends les pinceaux, là, voilà. Alors, allez, messieurs, faites vite, et revenez-nous vite aussi. Puisqu'ils sont sortis et actés au procès-verbal, donc, comme vous le savez, la subvention s'est élevée à 178 000 euros en 23, et donc là, on nous demande une avance, parce qu'il faut que ça tourne avant le vote du budget, de 40 000 euros. Pas d'opposition. Madame, allez-y. Nous comprenons bien le principe qui consiste à faire une avance à l'Office de tourisme, puisqu'il n'a pas de fonds de roulement. Néanmoins, nous allons nous abstenir sur cette délibération, d'une part parce que nous ne votons pas le budget, et d'autre part parce que nous avons du mal à comprendre qu'on se passe des services d'un excellent Office de tourisme par l'intermédiaire de la communauté d'agglomération. Ah, vous avez toujours, je dirais, comment pourrais-je, le talent pour vous faire fouetter. Parce que c'est aussi simple que ça. On a dit et répété que nous sommes station de service et que nous voulons gérer proprement notre politique en matière touristique. J'ajoute que j'ai parfaitement aussi dit la dernière fois que nous pourrons effectivement et que nous continuons d'échanger avec le touriste de l'agglo et que de surcroît, ils viendront, puisqu'ils ont nommé un des experts pour vérifier la véracité de cette politique, que nous les recevrons pour pouvoir échanger. Donc ce que vous dites est frappé de nullité. Alors je passe au vote.
Pas parce que vous répétez les choses, désolé, que ça devient une vérité. Je suis désolé, je vote. Alors, qui est contre? Personne? Abstention? À l'unanimité, je vous en remercie. Oui. Vous pouvez revenir, les copains. Ouh. Alors, cette fois-ci, c'est Ingrid Coutan qui va nous présenter ça. C'est d'accord? Non? Il s'agit d'une attribution d'une avance sur la subvention de la crèche de Duverdi. Oui, merci, monsieur le maire. Mais écoutez, un peu comme les délibérations précédentes, il s'agit de verser à la crèche Duverdi une avance sur la subvention 2024 à hauteur de 100 000 euros afin que la structure puisse faire face aux diverses échéances du premier trimestre 2024. Il vous est donc demandé d'attribuer cette subvention. Adopté, merci. Alors maintenant, Franck va prendre la relève, n'est-ce pas? Après ce... Donc, je vous propose de présenter les délibérations 14, 15, 16 et 17 relatifs à la révision des tarifs municipaux. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de revaloriser les tarifs municipaux sur l'année civile, hein, puisqu'on les revalorise du 1er janvier au 31 décembre, pour cela en tout cas. Et on a voté une autre session sur l'année scolaire au printemps dernier pour des tarifs qui s'appliquaient de septembre à septembre. Donc il s'agit ici des droits de voirie, du cimetière, des droits de stationnement pour les taxis, de la ludothèque, les droits de place sur le marché et le stationnement payant de surface, mais aussi au sein des parkings de la gare et du parking des graviers. Donc à l'exception de la ludothèque, dont je vais parler dans un instant, tous les tarifs sont revalorisés à 5%, c'est-à-dire au niveau de l'inflation. Je rappelle que l'inflation en 2022 était de 5,2% et qu'elle est de 5% en 2023. Et pour la ludothèque, nous avons la volonté d'accompagner le développement de cette structure très appréciée des Mansoniens, notamment après son déménagement rue du Fossé. Et donc, nous proposons une revalorisation des tarifs de 3,5% en dessous de l'inflation. Je vous remercie. Alors, pour la clarté des votes, on va les prendre les uns derrière les autres. Il y a d'abord les droits de voirie à 5%, et notamment, donc ça concerne, ils sont là, on propose une augmentation de 30%. Ensuite, je ferai voter sur le cimetière. Donc je fais d'abord voter sur les droits de voirie à 5%. Y a-t-il des remarques? Oui, madame. Vous parliez à juste titre de l'inflation. J'aimerais comprendre en quoi on a besoin de revaloriser pour les droits de voirie. Qu'est-ce qui nous coûte plus cher, finalement? Je n'ai pas compris, madame. Puisque finalement, si je comprends bien, l'augmentation qu'on nous propose est là pour corriger un peu l'effet de l'inflation. Donc, c'est parce que les coûts fixes sont plus chers, plus élevés pour nous. Donc, on refacture plus cher. J'aimerais savoir, dans les droits de voirie, qu'est-ce qui coûte plus cher à la ville avec ce phénomène d'inflation qui justifie cette hausse? Alors, pour les droits de voirie, nous avons des droits de voirie qui sont peu élevés, premièrement. Deuxièmement, effectivement, l'inflation tournait aux alentours de 4-5. Ça dépend comment on calcule. La dernière, étude sur les droits de voirie était légèrement moins 5, mais ça reprend toute l'année. C'est la raison pour laquelle nous proposons 5. C'est aussi simple que ça. Mais quand vous constatez quels sont les droits de voirie d'un certain nombre, je dirais tel que nous les pratiquons, nous sommes très loin par rapport à d'autres villes. Voilà. Alors, je mets au vote les droits de voirie à 5, c'est-à-dire c'est le premier, c'est pas 14 en ce qui me concerne, et il y en a 15. Voilà, et ensuite je passe au cimetière. Qui est contre? Merci. Vous êtes... C'est-à-dire, attendez, alors c'est contre ou c'est pour ou c'est abstention? Et c'est abstention. C'était d'accord, le troisième cas que vous avez pas évoqué. D'accord, c'est bien, c'est noté. Merci, madame. Alors, sur le cimetière, c'est quand même une société dans laquelle, vous le savez, mourir rapporte, net coûte. J'ai jamais compris. Alors, pour le cimetière, donc là, Marie-Liès, nous sommes à 5%. Pas d'objection? Qu'est-ce que ça veut abstention. Dire abstention. Abstention? On vous enterrera pas à Maison Lafitte. Hein. En fait, oui. Je crois que je vais vous le faire sur toutes les augmentations que vous proposez. C'est-à-dire, je ne vote pas contre, bien évidemment, mais je m'abstiens parce que je suis abstenez-vous, convaincue très bien de la pertinence de non, toutes non, mais ces attendez, hausses. Je suis désolé. Hein, je peux vous dire que je vous rappelle, c'est très simple,
on refuse d'augmenter les tarifs et les redevances. Très bien. Vous ne vous étonnerez pas après que pour boucler le budget, on fasse appel aux contribuables que vous êtes. Donc il faut être logique. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où il n'y a plus de TH, hein, il y a effectivement une inflation qui nous gangrène, nous avons des charges qui augmentent, et je peux vous dire que le budget de l'an prochain, ça ne va pas être triste. Donc il y a un moment, on est cohérent et logique. Très bien, vous êtes abstenu. Donc pour le cimetière, qui est contre ? Merci. C'est adopté. Alors ensuite, les droits de stationnement pour les taxis. C'est là, 5% il manque, aussi. Il manque la ludothèque avant. Ah, pardon. Ouais. La ludothèque, attends, elle est après. Pardon. Elle est après. Alors, monsieur Gévenelovich, j'en suis pas. On bâtit folle, là. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais c'est important, la ludothèque. Avec votre voisine. Bien. Alors, le droit de stationnement pour les taxis, c'est 5%. Et bien évidemment, les taxis n'ont pas augmenté leurs tarifs. Pas d'objection ? Vous vous abstenez ? Allez, perseverum diabolicum. La ludothèque. Alors, la ludothèque, j'ai souhaité qu'elle demeure à 3,5 parce que c'est nos enfants. Et que là, en fait, il y a eu. Bon, elle s'installe dans des nouveaux locaux. Ça se passe bien. Et vous avez vu qu'il y a un certain nombre. Il y a des ateliers créatifs. Bon, sur les pénalités de retard, c'est pas beaucoup. Il y a des anniversaires qui pourront être faits. Y a-t-il des objections ? Attendez, soit. Nicolas, allez-y. C'est une question. Comme vous l'avez dit, donc il y a quand même un déménagement. La notion de, on va dire, de prix d'appel est intéressante quand il y a des déménagements, parce qu'il y a aussi une perturbation de lutte, enfin, pour les usagers. J'ai envie de poser une question que je n'ai pas posée sur tous les postes pour éviter de terminer à 1h du matin. Mais sur la ludothèque spécifiquement, est-ce qu'on a une projection, selon l'utilisation 2022, des gains attendus pour la ville ? Hors services nouveaux, comme on peut le lire sur les anniversaires, mais juste, quel est le montant attendu, si on a la même utilisation pour 2022, de gains pour la ville ? Alors, la ludothèque fonctionne bien, hein, il faut le savoir, et elle a beaucoup de succès. Mais là, on fait bien sûr de la publicité, ils ont des nouveaux locaux qui sont, à mon avis, beaucoup mieux adaptés à ça. Alors, la ludothèque, c'est Anne. Voilà, ben oui, il faut lever la main parce qu'il y a des moments. Allez, Anne, vas-y. Alors, j'aurais du mal à vous donner une projection aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que la première semaine de réouverture de la ludothèque, on a eu un chiffre record de fréquentation le premier mercredi de 163 personnes. Mais par contre, si vous le souhaitez, je pourrais vous la faire, la projection. Là, comme ça, je ne peux pas vous la donner, la projection de ces deux chiffres d'affaires. Vous êtes satisfait ? Bien, mais vous pouvez. J'espère que vous y enverrez vos enfants. Bien. Charles. Oui, alors nous, on votera contre cette délibération, ou du moins contre les tarifs de la ludothèque, puisque pour nous, l'accès à la culture et donc à la lecture, notamment lorsqu'il s'agit des plus jeunes, doivent rester sanctuarisés, surtout quand les finances de la ville se portent bien. Oui. Bah, il y a des jeux, mais il y a donc des plus jeunes. Voilà. Et donc, on apprend par les jeux, on apprend. Je vous conseille, un instant. La ludothèque a toujours, eu des tarifs. Et vous les avez votés les années passées, j'en suis certain. Et maintenant, vous nous venez nous dire... Non, justement, c'est par cohérence. On n'a pas voté les tarifs. Vous ayez la bonté, quand vous voulez prendre la parole, vous levez la main, mais vous n'intervenez pas de cette manière. La vérité est qu'il y a toujours eu des tarifs sur la ludothèque et qu'on a toujours augmenté les tarifs parce qu'il y a un problème d'achat, notamment des jouets, etc. Donc, ce que vous dites est parfaitement inopérant. Mais si, c'est opérant. D'abord, on votera contre. Puisque c'est très bien. Donc, et par cohérence, c'est ce que nous avons voté les années précédentes également. Et alors, je veux dire qu'on le fera savoir qu'une nouvelle fois... Vous êtes contre les enfants et contre la possibilité, mais bien évidemment. C'est bien. Ça, c'est assez grotesque. Madame, je suis désolé, je commence le vote. Qui est contre ? Voilà, merci. Qui s'abstient ? Très bien. Voilà. Donc, vous avez compté les voix. Terminé. Alors, on passe. Alors ça, je veux dire que, franchement, comme dirait l'autre,
Alors, le marché communal, révision des tarifs. Alors là, sur le marché communal, je vais donc demander, puisque je crois qu'on a un amendement, mais madame, présentez votre amendement. Madame Lavagne. Merci, monsieur le maire. Donc, l'amendement a pour objet de limiter l'augmentation de 5% des tarifs que vous proposez au samedi et de maintenir au statu quo ceux du mercredi, sachant que le marché le mercredi est en plus en difficulté, qu'il y a de moins en moins de commerçants, et ce qui fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent. Bien, je vous remercie. Alors, Yann Queneau va vous répondre. Alors, tout d'abord, cette augmentation qui est proposée, elle est faite en accord avec le concessionnaire actuel. Et j'avoue que je ne comprends pas tellement cet abondement, parce que, sauf erreur de ma part, les commerçants appliquent le même tarif le mercredi et le samedi. Je n'ai pas vu de réduction particulière le mercredi. Hein, je vais peut-être me tromper. Le placier, me semble-t-il, est rémunéré de la même manière le mercredi et le samedi. Il n'est pas moins rémunéré le mercredi. Et également, les agents de la ville ne sont pas moins rémunérés le mercredi que le samedi. Et la plupart un instant, madame. La plupart des commerçants. C'est maladif chez vous, hein. Termine. La plupart des commerçants qui sont présents le mercredi sont des abonnés, donc qui sont là le mercredi et le samedi. Donc franchement, je ne vois pas pourquoi on ferait un distinguo entre le mercredi et le samedi. Alors, qu'est-ce que vous voulez ajouter, madame Lavagne? L'idée, c'est qu'il y ait plus de commerçants le mercredi. Et sachant que actuellement, il y a très peu de commerçants qui viennent. Et le marché le mercredi est en train peu à peu de se mourir. Et donc, il faudrait, je pense, des tarifs incitatifs pour le mercredi. C'est évident. Premièrement, je vous l'ai dit, je n'ai pas le sentiment que les commerçants qui sont là le mercredi baissent leur prix. Il faut quand même regarder les choses. On a quand même assisté, et nous le savons quand nous allons au marché, et nous avons assisté à une hausse qui sont bien plus de, justement, de 5%. Donc, il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Et puis, donc, je mets au vote. Qui est pour? Qui est pour cet amendement? Bon, qui est contre? Vous lèvez la main. Il est rejeté. Et donc, maintenant, j'en viens au vote lui-même. Alors, qui est pour? Qui est pour les 5%? Voilà. Et puis, je présume qu'il y a un certain nombre de votes contre. Ah, ben ça, c'est logique. Ah, ben là, il faudra qu'on m'explique. C'est la jurisprudence Tania sur l'achat de l'art. On pourra vous donner des cours du soir, monsieur le maire, si vous voulez. Pardon, qu'est-ce qu'elle dit, madame Singer? Et on peut vous donner des cours du soir. C'est un truc que vous aimez bien mettre en avant. Ça s'appelle, je dirais, la politique de l'incohérence. Merci. Alors, donc, c'est à l'unanimité sur les 5. Alors, on passe, parce que c'est pas terminé. Alors, maintenant, on en vient au tarif du parking. Alors là, on a fait, c'est plus subtil, hein, puisque pour les tarifs horaires, c'est gratuité de la première heure, je rappelle, hein, pour le parking du pire. Et quand je dis gratuité de la première heure, c'est pas 59 secondes, c'est l'heure entière, hein, je le redis. Et ensuite, il y a une légère augmentation après. Pour les tarifs d'abonnement, vous avez 5%. Hein, et voilà. Alors, je mets au voie cette première partie sur les tarifs horaires. Non, attendez, je vais tous les exposer parce que c'est un peu plus complexe. Après, on va y revenir. Alors, pour les, notamment les remises, vous avez vu que les remises quantitatives selon barème, 3 à 4 abonnements, moins 5, 5 à 9 abonnements, 15, et plus de 10 abonnements, moins 20. Et alors, ensuite, au gravier, vous avez 5%, pardon. Les tarifs de stationnement de surface, zone verte et zone orange, comme suit. Il est proposé de maintenir les tarifs existants jusqu'à 4 heures et de les augmenter de 0,20 par la suite. Et ensuite, pour la zone orange, vous êtes proposé d'augmenter les tarifs de 0,10 à partir de 30 minutes, c'est-à-dire on est en centre-ville, et bien évidemment, on va jusqu'à la zone verte. C'est 5% arrondi, avec des tarifs annuels, des tarifs mensuels, etc. Voilà, donc, y a-t-il des remarques? Alors, monsieur Nicolas, allez-y, Livojevic. Merci, c'est une question plus logistique sur les tarifs. Sur le parking du pire et sur celui des graviers, est-ce qu'on a une idée du taux d'occupation moyen?
Vous êtes assez plein. Hein, je me parle de l'autre côté, le parking, il est plein. Il est quasiment plein. Il est quasiment plein, me souffle-t-on. J'y vais pas tous les jours. Et on va faire quelques travaux parce qu'il y a un problème sur, non pas à l'intérieur, mais on a un problème notamment du macadam. Il y a quelques fuites qu'on va reprendre. Voilà. Alors, il y avait une autre question, me semble-t-il. Oui, Madame Géin. Sur le stationnement extérieur, une question qui nous vient directement d'un mansonien. Sur la zone orange, il y a les 30 minutes gratuites pour faciliter en fait les courses. Pourquoi n'y a-t-il pas, à proximité des commerces qui sont en zone verte, le même dispositif? Parce qu'il n'y a pas de commerce en zone verte et que les tarifs défient la concurrence. Enfin, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Ah ben moi, je vous pose la question. À mon avis, non. Alors là, je suis désolé. C'est effectivement parce que en zone verte, il y a toujours de la place. Ça coûte pas très cher. Et je dirais, on ne va pas encore donner 30 minutes. Ça n'a pas de sens. Bien. Et puis surtout, quand on fait remonter une demande d'un mansonien. Je vous rappelle ici que vous êtes censé représenter l'intérêt général et pas une demande particulière. Merci. Ça n'empêche pas de poser la question. Oui, ben d'accord, mais la manière dont vous l'avez posée, elle a été mal posée. Elle a été mal posée. Alors, je mets aux voix l'ensemble. Elle a été bien posée. On vous a dit qu'elle était mal posée. On n'est pas là. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Voilà. Vous mais il faut apprendre. Vous savez, vous êtes une question, vous répondez. Vous n'êtes pas le poussin du jour, madame. Mais c'est pas grave. Vous avez encore des progrès à faire. Bien. Alors maintenant, j'en viens au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Alors, pardon, vous abstenez? Bon. À force d'aller dans le, je dirais, le péché, vous allez y rester. Hein. Bien. Alors, maintenant, j'en viens, parce qu'on a d'autres choses derrière. Tout ça est assez technique, même si... Alors, les activités péri et scolaires, Madame Boiron. Oui, il vous est proposé de créer un nouveau tarif pour les activités périscolaires, à la demande des fédérations de parents d'élèves que j'ai vues et qui m'ont demandé de créer un tarif pour les maternelles, un accueil du soir de 16h30 à 17h45, tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, et pour les élémentaires, le vendredi seulement. Simplement, les parents payaient avant de 16h30 à 19h, mais avec possibilité de venir les chercher à partir de 17h45. Donc, il y avait beaucoup de parents qui venaient les chercher à 17h45. Donc, on a trouvé judicieux de diminuer leur facture. Et les élémentaires seulement le vendredi, parce que, pardon, le lundi, mardi et jeudi, ils ont l'étude jusqu'à 17h45. Bien. Il y a des questions. Alors, y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Liégeois. Vous n'allez pas me dire que vous avez encore bénéficié de ça, vos enfants sont grands. Allez-y. Les cinq sont passés à l'Eudreux, oui, c'est vrai. J'avais juste une remarque, c'était par... Pardon, excusez-moi, allez-y. Par rapport au tarif des activités périscolaires, hein, qui avait été, j'avais dit la dernière fois, qui a été décidé sans concertation avec les représentants des parents d'élèves, et augmentation pour tout le monde, y compris pour un couple de smicards avec un ou deux enfants. Et j'avais une question à poser. Pourquoi les écarts entre le tarif mini et le tarif maxi sont différents entre les maternelles et les élémentaires? Qu'est-ce qui justifie cette différence? Tous les tarifs ont été conçus en partant du coût de revient de l'activité. Donc forcément, vous avez une activité en maternelle qui a un certain coût et une activité en élémentaire qui a un autre coût. Donc après, les tarifs se déduisent de ça. Ça, j'ai bien compris, mais vous avez l'écart. Par exemple, je prends 4,75, un tarif maxi pour la maternelle. Le mini, il a 2,13. Okay. Et ensuite, vous avez au niveau de l'élémentaire 2,31 et 4,63. Donc l'écart est différent, vous voyez? La fourchette est plus grande. Donc, qu'est-ce qui justifie ça? Fait, s'il faut y en venir, on y reviendra. D'accord, on regardera ça. Non, mais bon, vous savez, toutes les délibérations aussi techniques, il y a des moments, il faut... Le diable est dans le détail, mais votre remarque, on va le vérifier. Monsieur Ljubenovic. Oui, ma question va être très
technique et si jamais vous n'avez pas la réponse, je suis preneur d'un mail ensuite de conseil municipal. C'est juste, est-ce que vous savez jusqu'à... En gros, jusqu'à un certain revenu fiscal de référence, on bénéficie du tarif minimum. Et à partir d'un certain revenu fiscal de référence, on commence à arriver au tarif maximum. Est-ce que vous avez ces montants avec vous? Sinon, je le prendrai par mail par la suite. Je vous ferai c'est pas ça par mail parce que là, je ne les ai pas sur moi. Il faudra vérifier ce tarif minimum. D'accord. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre question, comme ça je l'ai en mémoire. Merci. Alors, chaque famille se verra appliquer un taux d'effort proportionnel à ses revenus. Hein. Ça, c'est acté dans la délibération. Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc, Philippe, on vérifiera le point que vous avez soulevé. Et s'il faut y revenir, on y revient. Alors, le point 18 en chiffre romain toujours. Donc, dans la foulée, on vous demande de modifier le règlement intérieur pour pouvoir intégrer ces deux tarifs. Pas d'objet. Oui, alors allez-y. Oui, une question aussi. Ce n'est pas forcément très clair. La majoration de 50% quand les parents sont, par exemple, en retard, qu'ils ont raté leur train, c'est 50% de quoi? De quel tarif? Pardon. Du tarif total. Donc, ça veut dire que concrètement, quand on a 50% de majoration du tarif total, c'est comme si on payait le tarif total. Si c'est 50% simplement, c'est pas le tarif total. Non, parce que vous avez un tarif entre 16h30 et 17h45, ok, et vous avez le tarif entre 16h30 et 19h. Vous avez divisé par deux pour le tarif de 16h30 à 17h45, on est d'accord. Donc si vous payez 50% du tarif... tarif total, c'est le tarif... Ça revient au même, ça revient à si on payait le tarif total. Alors, comment vous expliquez ça? 50% du tarif, de quel tarif? Ah, du total ou de celui qu'il aurait dû payer? On vient de vous répondre, c'est le total. Mais cela étant, là encore, on est obligé d'avoir quand même un certain nombre de garde-fous pour que les parents viennent à l'heure, repartent non, à l'heure. C'est juste pour comprendre, c'est 50% du tarif de 16h30 à 17h45 ou de 50% du tarif de 16h30 à 19h? Si vous prenez un tarif jusqu'à 17h45 et que vous arrivez en retard, il vous sera facturé de 16h, le tarif de 16h30 à 19h. Non, pas sur quoi? Et ce qui est certain, non, mais... je vois la question que vous posez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne arrive en retard alors qu'elle a opté précédemment pour, je dirais, repartir à 17h30, si c'est ça, et si c'est 19h, effectivement, on peut se poser la question. Et en fait, in fine, il paye de 16h. Oui, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Et donc, ça ne peut pas être le total, okay, puisqu'il n'est pas engagé pour aller jusqu'au bout. C'est évident. Bien, alors, ce point étant, on va le revérifier, et si, sur les deux points, on verra ça. Donc, je mets au voix qui est contre, parce qu'il faut quand même avancer. Qui s'abstient à l'unanimité et on vérifiera ce point. Alors, le séjour pour 2024 à la fixation des tarifs, Brigitte. Donc, les enfants partiront au Grand Bornand sur un centre qui s'appelle L'Accordé, que j'ai vu il y a deux jours. Le coût total du séjour représente 21 527 euros. Donc, nous avons... réparti pour les extérieurs, c'est le coût total pour un enfant, c'est le coût réel du séjour, et nous avons réduit, nous avons fait des tarifs pour on a gardé les quotients là, et on a fait des tarifs différenciés évidemment, qui vont de 509 euros à 1273 euros. Vous voulez faire du ski, Madame Kéraudrin, au Grand Bornand? Allez-y.
Une question pratique, justement, sur les tarifs. Il arrive que certaines familles ne souhaitent pas communiquer leurs revenus, c'est-à-dire ne donnent pas leur déclaration de revenus d'avis d'imposition. Elles sont considérées en D ou en extérieur dans ce cas-là? Quel tarif? C'est très simple. Si les gens ne veulent pas donner leur A, on leur applique le tarif maxi, point barre. C'est aussi simple que ça. Qui est quand même problématique. Madame, je viens de vous répondre. Voilà, c'est ça. Si les gens estiment ce qui est leur droit, qu'effectivement, ils craignent que leur revenu hyper soit connu de la terre entière alors qu'on est soumis à la confidentialité, eh bien, s'ils ne le donnent pas, comme pour les cantines, ils payent le maxi, point barre. Il y a un moment, hein, moi, je ne peux pas vouloir aussi, on me tanne, et je pense que c'était vrai qu'il y ait une certaine, je dirais qu'il y ait une progressivité, qu'il y ait en fonction des revenus compte tenu de beaucoup de facteurs, eh bien voilà. Objectivement, oui. À partir du moment où on habite Maison Lafitte, qu'on paye le tarif le plus élevé pour les mansonniens, ok, mais je ne suis pas sûre que ce soit légal, mais je vous rassure, je ne ferai pas un recours là-dessus, qu'on ait le tarif extérieur. Pardon ? Le tarif extérieur, il est simple. Si les gens ne payent pas des impôts à Maison Lafitte, je ne vois pas pourquoi je ferai des cadeaux à longueur de temps. Ils payent des mais madame, on vient de vous répondre. Écoutez, vous avez par définition tort. Merci. Voilà, par définition. Sauf quand on fait un... Calmez-vous, Madame Lavagne. Vous n'êtes pas au bout des problèmes. On le sait bien. Allez. Alors, je mets au voix qui est contre. Qui s'abstient? Merci. Alors, la consigne à vélo, Madame Coutard. Allez-y. Oui, merci Monsieur le maire. Savez-vous que le premier frein à la pratique du vélo, ça n'est pas le mauvais temps, mais c'est le risque de vol de son vélo. C'est la raison pour laquelle la ville de Maison-Lafitte, en accord avec les associations, pardon, a décidé de mettre en place des consignes à vélo sécurisées. C'est un travail de longue haleine que les services ont porté. Ça date depuis un an et demi qu'on essaye de mettre en place ces consignes à vélo. Et la raison en est simple. On voulait des consignes à vélo qui étaient mobiles. C'est-à-dire que par la suite, et notamment lorsque le pôle gare serait aménagé et qu'il comporterait des consignes à vélo sécurisées, que l'on puisse déplacer ces consignes à vélo sécurisées en un autre lieu comme la piscine ou le POPS, le CSC. Et on était parmi les premières communes à demander ce type d'équipement. C'est la raison pour laquelle le projet a pris du temps. Conséquence aussi de ce souhait de mobilité, c'est que par conséquent, les tarifs ne pouvaient pas être cumulés avec la Navigo, avec la carte Navigo, et il nous fallait trouver un autre acteur financier, un autre opérateur, pour pouvoir sécuriser et gérer les abonnements de ces consignes à vélo. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en discussion avec Indigo, et c'est donc l'objet de la délibération ce soir, sur proposition d'Indigo de valider les tarifs qui vous sont communiqués ci-après. Bien. Y a-t-il des remarques? Oui, qui est-ce qui lève la main, là? Ah, c'est... Bon, faut... quand vous levez la main, présentez-vous, parce que je ne vous vois pas, je ne vois qu'une main en l'air. Voilà, allez-y, monsieur Lubanovitch. C'est ma main. Du coup, je pense que... Vous savez que c'était un sujet qui tenait à cœur à ma prédécesseur à cette place. Du coup, évidemment, voter pour la création de tarifs. C'est une question sur le futur. Aujourd'hui, on parle de 32 places. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des projets potentiels? Parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre de cyclistes à Maison Lafitte et un certain nombre de vélos attachés sur les arceaux. Aujourd'hui, c'est 32. Est-ce qu'il y a déjà des projets pour plus de places ensuite? Oui, c'est le pôle gare, très clairement. Oui, et des deux côtés de la gare, par conséquent. Enfin, en arceaux, nous sommes leaders en région Île-de-France par le nombre d'arceaux proposés au vélo. Il faut le savoir, ça. Donc, on peut en mettre aussi au milieu du conseil municipal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y en a, mais effectivement, quand le pôle gare va être... ça va prendre un certain temps, mais normalement...
va être restructuré, il est prévu de mettre des garages sécurisés. Voilà. Qui est contre? Abstention. Il n'y en a pas. Merci. Je poursuis. Alors, le centre aquatique, là encore dans les tarifs, monsieur Queneau. Oui. Alors là, c'est dans un souci toujours d'accroître un petit peu la fréquentation du centre aquatique. Donc, on vous propose d'apporter quelques modifications aux conditions générales de vente. Alors, la première modification qu'on propose, c'est de permettre aux travailleurs, aux employés des entreprises de Maison Lafitte, de pouvoir bénéficier des tarifs résidents. Donc, on peut travailler à Maison Lafitte, mais ne pas habiter à Maison Lafitte, mais on pourrait bénéficier des tarifs résidents. L'autre modification qu'on propose, c'est de permettre à Monsieur le maire d'offrir des entrées gratuites lors de kermesses, de tombola, à des jeunes pour leur permettre de découvrir le centre aquatique. Donc, voilà ce qu'on vous propose de valider ce soir. Des remarques? Il n'y en a pas adopté. Ah, oh, pardon. Qu'est-ce que vous allez encore nous sortir, mon cher Philippe? Non, c'était juste une remarque de forme dans le document que vous avez présenté, action de promotion pour le maire. Les phrases ne sont pas compréhensibles. Donc, voilà. Les quoi? Les phrases qui sont modifiées ne sont pas compréhensibles dans le document. Donc, voilà, donc si vous pouvez modifier. Délivrer gratuitement, d'accès au centre, c'est, voilà, il doit y avoir des coquilles, hein, c'est tout, c'est pas très méchant. Mais, bon, c'est compris, voilà. Merci. Okay. Bien, il n'y a pas de remarques. Yann, t'as regardé ça? Moi, je ne vois pas bien où est le problème, mais enfin, ce n'est pas grave. Alors, qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? L'école des sports, Anne Bailly, vous avez tout remboursé, vous? Allez, vas-y. Oui, merci, monsieur le maire. Suite à un certain nombre de cas particuliers qui ont été présentés en commission et qui sont énoncés sur la présentation ce soir, il vous est demandé d'approuver un certain nombre de modifications, en particulier la mise en place pour les familles qui font la demande du remboursement de l'adhésion annuelle de leur enfant à l'activité tennis à hauteur de 100%. Pour ceux qui ont continué une activité différente de celle du tennis, de ne leur facturer que les deux trimestres de l'année 2024, d'accorder le remboursement à la famille ayant inscrit son enfant à l'activité équestre et n'ayant pas la possibilité de déposer son enfant les 15 ou 20 minutes avant l'heure de la séance, et enfin d'accorder le remboursement de toute double inscription réalisée par erreur. Je vous remercie. Et d'intégrer ces modifications. C'est des remboursements, vous avez vraiment calé, je dirais, à la situation de chacun. Voilà, et d'intégrer ces modifications au règlement intérieur. Alors, Madame Théron-Caraudrin, vous avez des questions à ce propos? Oui, je suis désolée, je n'ai pas pu venir en commission. Donc, je n'ai pas eu ces précisions. Mais de quel montant on parle à peu près? Parce que, tel que vous le décrivez, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. Ah ouais. Centaine d'euros. Il s'agit d'une centaine d'euros. Pardon? Une centaine d'euros. Par famille. Rembourser lorsqu'il y a des problèmes. Bien, pas d'objection, adopté, merci. Alors, monsieur Copé, on parle maintenant, je dirais, de l'œuvre, votre œuvre en particulier, c'est-à-dire le marché de construction d'espaces culturels. Vas-y, lot numéro 1. Ce n'est pas mon œuvre. Donc, il y a des moins-values et surtout des plus-values. La moins-value de Vitrophanie, ce que j'ai expliqué en commission, il s'agit de films plastiques translucide qu'on met sur les vitres. Et pourquoi on l'a retiré de ce lot? C'est parce qu'on va créer un lot signalétique, donc ça fait double emploi, donc on le retire du lot numéro 1. Les couvertines sur accrotère au deuxième étage, c'est un oubli du cahier des charges. Vous avez pu voir, si vous êtes passé près du chantier, qu'il y a des pierres en façade, des pierres massives, hein, pas du plaquage. Et sur le R+2, il a été oublié de mettre une couvertine au sommet. Et si on ne met pas ces couvertines, on va avoir des dégoulinures tout le long de la façade. Donc, ce n'est pas possible. Renforcement mur parpaing. Alors, j'avais passé des photos. Il s'agit de la façade de l'ancienne salle Malzerbe. Quand on a déconstruit cette salle pour garder l'enveloppe, l'entreprise s'est rendue compte que c'était fait de briques et de brocs, et que si on laissait en l'état,
on avait un mur qui risquait de tomber. Donc on a été obligé de consolider cette façade. Et il y en a pour 7 400 €. Ensuite, la rehausse et le renforcement de la charpente bois de l'auditorium, c'était la charpente qui existait sur l'ancienne salle Malzerbe. Là encore, quand on a fini la déconstruction, on s'est rendu compte que les fermes n'étaient pas du tout en bon état, elles étaient un peu gorgées d'eau. Donc il y avait deux solutions. On maintenait les fermes existantes avec les risques que ça pouvait occasionner. Et la deuxième solution, c'est de passer en ferme neuve. Et pour dans la première solution, si on gardait les fermes existantes, on avait à peu près une dépense quand même supplémentaire d'environ 15 000 €. Et là, pour 31 000 €, on a des fermes neuves, trois fermes neuves et une charpente toute neuve. La charpente est en bois lamellé collé. La moins-value pour la modification de l'essence bois pour la plateforme en terrasse, là, c'est un problème de fourniture. La plateforme qui était prévue, elle n'était pas disponible chez le fournisseur, donc on nous a fait différentes propositions et il s'avère que ce qui a été accepté par l'architecte est de même nature, mais coûte un peu moins cher. Dernier point, ça c'est ce qui nous fait beaucoup de mal, c'est le câble dans l'angle du bâtiment. On a découvert il y a un an, en faisant les terrassements, qu'il y avait un câble électrique qui traversait le bâtiment. On a demandé depuis un an à Enedis de neutraliser ce câble, et ça a duré et ça a duré. On ne pouvait pas arrêter le chantier, donc on a continué le chantier en laissant un angle, je ne vais pas dire à l'abandon, mais non terminé. Il est évident qu'aujourd'hui, tout le reste du bâtiment est pratiquement terminé, et il faut revenir en arrière pour fermer ce bâtiment. C'est ce qui occasionne cette plus-value de 130 000 €. À noter quand même que ce que nous demandait l'entreprise au départ était plus du double de cette somme. C'est après de longues négociations qu'on a pu diminuer cette plus-value. Voilà. Qu'on espère éventuellement une proposition de Enedis pour rentrer. J'y compte pas beaucoup, mais on va les recevoir. Mais, Claude, je te l'ai dit, cette affaire-là, je vais envoyer du papier bleu à Enedis. Ils sont coupables, ils n'ont pas fait le travail, donc on va leur demander effectivement d'assumer cette dépense. C'est aussi simple que ça. Alors, qui souhaite intervenir? Personne? Madame, oui? Juste une question. Quelle est la date prévisionnelle de la fin des travaux, ou en tout cas de la mise en service de la salle Malzerbe? Vas-y. C'est deux choses différentes. La fin des travaux, je vais dire automne de l'année prochaine. La mise en service, c'est tout l'aménagement. Et ça, c'est le service culturel qui prendra le temps nécessaire. D'ailleurs. Fin des travaux, c'est dans un an. Fait partie, malheureusement, des aléas qu'on rencontre sur tous les chantiers. C'est malheureusement toujours comme ça. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors, on poursuit, parce que ce n'est pas terminé à ce propos. Il y a un protocole transactionnel avec la société ECT, mais ça ne nous coûte rien. Non, c'est simplement un transfert de créance, c'est-à-dire qu'il s'agit de démolition, terrassement. Il y a une partie qui a été sous-traitée et la société EVS Valorisation a cédé à ECT une part de sa créance. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est simplement d'approuver le protocole transactionnel, mais qui ne coûte strictement rien à la collectivité. Objection adoptée, merci. Alors, je poursuis maintenant avec le CHML, où on relance la DSP. Madame de Balanda. Donc, c'est le même point qui revient malheureusement chaque année. Donc, on relance une DSP sur le CHML, parce que vous savez qu'en ce moment, on est en convention de gestion renouvelable tous les ans. Donc, ça s'arrête au 1er septembre 2024. Et donc, nous voulons relancer une DSP pour la gestion du centre hippique de Maison Lafitte.
Alors, je vais rajouter quand même un point en disant que, bien évidemment, dans ce qui vous a été distribué, c'est que je pense qu'on peut y arriver cette fois-ci à trouver un preneur, parce qu'il n'aura pas à sa charge, parce que sinon ça ne marchera pas, en dehors des investissements quotidiens, il n'y aura pas à sa charge des investissements lourds, parce que malheureusement, ils sont importants, ils resteront à la charge de la ville parce qu'ils sont trop lourds. Donc, je pense qu'on peut trouver cette fois-ci un preneur avec, je dirais, qui sera responsable pour faire tourner la boutique, mais qui ne supportera pas à terme les trop lourds investissements en dehors du quotidien. Monsieur Lubanovitch, merci, vous voulez monter monsieur. À cheval ? Oui, ça a d'ailleurs été une des raisons pour lesquelles je suis arrivé à Maison Lafitte, plutôt qu'ailleurs. Justement, c'est la troisième, quatrième fois qu'on relance cette DSP. Juste pour comprendre, si j'entends bien, est-ce qu'on a modifié par rapport aux dernières délibérations le cahier des charges ou la répartition des coûts entre le... Oui, non, mais je veux juste confirmer que du coup, est-ce qu'il y a bien une modification par rapport à la dernière fois qu'on a fait ce lancement ? Alors, la situation économique que nous avons eue ces deux dernières années où on n'a pas trouvé de preneur, provient tout simplement du fait qu'il y avait eu le Covid, il y avait eu tout ça, etc. Ce que nous souhaitons, c'est que nous allons négocier et que donc ce qui va rester à la charge du mandataire, ça va être quelque chose d'une négociation. Il faut d'abord trouver plusieurs, je dirais, candidats qui seront intéressés par reprendre ça. Et ensuite, il va falloir qu'effectivement, on en pourra peut-être, je vous l'ai dit, normalement, dans une DSP normale, il y a les investissements qui sont à la charge du preneur. Je vous le dis tout net, à mon avis, ce ne sera pas le cas cette fois-ci parce qu'il n'y arrivera pas. Et donc, ce sera l'entretien courant, c'est-à-dire que ce n'est pas la ville qui va changer l'ampoule. Mais je dirais, on sait qu'on a des investissements à faire et on en parlera au moment opportun. Voilà. Donc, ça va être dans la négociation avec, je l'espère, des candidats. Mais je suis un peu plus, comment pourrais-je m'exprimer, un peu plus optimiste parce que je pense qu'on va quand même sortir du tunnel de cette grisaille économique. Et aussi parce que, pour rien vous cacher, la loi de finances a ramené les clubs, hein, c'est ça, à 5-5, et donc et non plus à 20. Donc ils ont, de la part, l'État leur a fait un cadeau, hein, c'est clair, il faut le reconnaître. Et donc de ce côté-là, ça devrait mettre du beurre dans les épinards. Madame ? Oui, les investissements lourds. Les investissements lourds, c'était déjà à la charge de la ville. Je ne comprends pas très bien entre l'ampoule à changer et les investissements qui sont déjà à la charge de la ville. Vous pourriez donner un exemple. Pardon ? Est-ce que vous pourriez donner un exemple des investissements que vous pensez négocier ? Eh bien, on verra en temps et en heure. Quand on a actuellement, on est en train de faire effectivement un diagnostic sur ce CHML. Je peux vous dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'investissements à faire, nous le savons. Voilà. Madame Singer. Oui, je voudrais juste faire remarquer que je vous avais posé une question à ce sujet il y a quelque temps, je ne sais plus redire exactement le moment, et qu'à ce moment-là, on m'avait répondu que tout allait bien et qu'il n'y avait aucun investissement à faire parce qu'il y en avait eu déjà de nombreux qui avaient été faits. Donc j'avoue que je suis un petit peu surprise d'entendre aujourd'hui qu'il y a des investissements Madame, à faire arrêtez. Au CHML. Non, attendez, je n'arrête pas, je relate quelque chose non, qui s'est passé il y a assez peu de temps. Madame Singer, je vous rappelle qu'effectivement, nous y avons fait déjà des investissements, que nous avons remis aux normes les appartements, etc. Mais nous savons très bien que le manège pose un problème, vous le savez. Donc, on ne va pas se cacher. Et il a toujours posé un problème depuis quelque temps. Et puis, il y a de l'entretien inhérent aux écuries, comme vous le savez comme moi. Les chevaux tapent dans les boxes. Il y a parfois de l'humidité. Il y a donc, effectivement, il y a des choses à faire aujourd'hui qu'il n'y avait peut-être pas l'année dernière quand nous en avons parlé. De toute façon, il faut lancer le processus parce que, comme dirait l'autre, il faut maintenant trouver un ou plusieurs candidats avec lesquels nous allons discuter. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
à l'unanimité. Je vous en remercie, mais on n'est pas encore au bout du tunnel. Bien, alors j'en viens maintenant au point au cinéma. Béatrice Vivien. Alors, au vu de la situation post-Covid des salles de spectacle et particulièrement en fonction des intérêts du cinéma La Talente, la ville soutient le cinéma et a donc propose d'augmenter cette subvention et de la passer de 70 000 à 85 000. Et le cinéma, de son côté, donc ça c'est le point suivant, va aussi augmenter son tarif de place légèrement, sachant que les places du cinéma sont à un tarif très compétitif. Pourriez vous cacher, on a négocié un peu avec La Talente et il demandait bien sûr une subvention assez importante, ce à quoi on a dit non, mais elle passerait. Vous savez qu'il y a une garantie de recettes à 70 000 euros qui n'avait pas bougé depuis la Videra, depuis l'origine, et on la passe à 85 000, qui devrait lui permettre effectivement de boucler. Et de ce côté-là, il pense s'en sortir. Pas d'objection ? Oui, attention, hein. Allez-y. Oui. Non, juste une question. C'est pour le. Mais non, vous, je vous en prie. Vous n'avez rien à. C'est pas vous qui gérez la Talente, madame. C'est pas parce que vous êtes dans une association à côté, ça n'a rien à voir. Allez-y, madame Kérodrin. Oui, j'ai pas de problème avec le principe de la subvention et l'augmentation. Mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans la gestion du cinéma, c'est tout ce qui est projection privée. Et d'ailleurs, madame Vivien a été, comme moi, présente à une projection privée ces derniers temps. Et c'est le point de bascule entre projection privée ou, dans le cadre de la DSP, réalisée par le cinéma, le tarif n'est pas du tout le même, en tout cas pour celui qui projette. Et j'ai du mal à comprendre où est la notion de service public. Il a la possibilité de faire des projections privées, et en règle générale, on regarde tout ça de près. Vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas adopté en conseil municipal les tarifs des projections privées ? C'est pas ça, c'est que je pense qu'il y aurait besoin d'une information complémentaire et plus de transparence là-dessus, de la part du cinéma, pour qu'on comprenne bien. Parce qu'il y a des films qui sont aussi, on va dire, soutenus par la municipalité, qui pour autant ne sont pas sur le bon point de bascule, et la différence tarifaire est extrêmement importante. Non, mais ça, je suis désolé. La gestion du cinéma, c'est effectivement la société qui la gère. Point barre. On ne va pas rentrer là-dedans. Si on a une DSP, ce n'est pas pour aller à longueur de temps. Mais vous êtes extrêmement intrusive. Hein. Moi, je trouve que là, vous n'êtes pas une libérale, madame. Alors, ce n'est pas la question. La chose... Si, la question. La question, c'est le manque de transparence, en fait. Il est important, je pense, pour les mansoniens qui souhaiteraient Quand vous allez chez le boulanger et que vous trouvez effectivement que la baguette est trop chère ou qu'il n'y a pas le poids, etc., vous engueulez le boulanger. Donc vous allez lui demander justement quelle politique il mène. Il est responsable de la gestion et des prix qu'il demande. Point barre. Dans la DSP. C'est la DSP, madame. Oui. Alors, permettez-moi de finir ma phrase. Je suis désolé, c'est ainsi. Alors, je passe au vote. Alors, simplement. Qui est contre ? Qui est contre ? Vous êtes contre ? Mais écoutez, vous n'avez pas fini la phrase, je vous ai répondu 10 fois. Sincèrement, et vous savez très bien, Madame Vivien, que j'évoque un film sans donner le nom qui était soutenu par la municipalité. Je suis désolée, la différence de tarif est énorme. Et derrière, le point de bascule, c'est la notion de service public. Je pense que véritablement, s'il vous plaît, Madame Kérodrin, c'est inutile de continuer à... Je vous ai répondu en principe, nous sommes dans le cadre d'une DSP. C'est au gestionnaire de gérer correctement ses prix, point barre. Et on verse une subvention. Et alors, mais... C'est pas très mal poli. Mais c'est pas possible. Vous êtes avocate ? Et ben alors là, franchement, je n'irai pas vous demander de défendre mes cas. Vous savez très bien que j'ai défendu bien mes dossiers, y compris celui-là. S'il vous plaît. Alors, vous savez, c'est les cours du soir avec vous, hein. Alors, je vais vous dire une chose. Non. Il y a une garantie dans la convention que nous avons que si jamais il n'a pas suffisamment de recettes et qu'à ce moment-là, effectivement, il peut réclamer à la ville une garantie de recettes. Et c'est tout. C'est pas autre chose. Et ça passe de 70 000 euros à 85 000. Pas cela. Donc, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à l'unanimité. C'est pourtant simple comme bonjour.
Alors, cinéma, revalorisation des tarifs. Alors, Madame Vivien. Ah, vous l'avez présenté en même temps. Oui, d'accord. Bien, parce que... Voilà, attendez, attendez, parce qu'il faut que je m'y retrouve. Là, c'est pas la peine. Alors, 28 en chiffre romain. Yann Queneau. Enfin, je propose de faire 28, 29, 30 en même temps. Ça concerne, c'est comme chaque année, la dérogation au repos dominical. Donc, le 28, ça concerne les parfumeurs. Le 29... commerce alimentaire, et le 30, c'est le commerce de détail. Donc là, c'est les commerçants qui demandent l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Et au-delà de 5 dates, donc le conseil municipal donne son avis, et après, c'est le conseil communautaire qui se prononcera. Donc nous proposons de donner un avis favorable pour ces 3 commerces, ces 3 types de commerces, pour les dimanches qu'ils ont mentionnés dans les délibérations. Alors, je récapitule. 29, c'est un avis et c'est la CABS. Non, 28, pardon. 28. C'est la CBS qui conclura. 29, c'est la CABS qui conclura. Et 30, c'est le conseil municipal qui a le dernier mot. Oui, parce qu'il n'y en a que 5. D'accord. Y a-t-il des oppositions? Non. C'est adopté. Merci. Au passage, on se demande pourquoi ça doit passer encore en conseil municipal, parce que franchement. Alors, le stationnement payant en convention relative à la. Alain Taille, Monsieur Ginonetti, vous voulez le présenter? C'est toi, Franck, vas-y. Donc, au 1er janvier 2018, il y a une réforme portant dépénalisation du stationnement payant. Il s'agit tout simplement d'approuver la convention type avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'Antaille, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Alors, pour la petite, pour votre connaissance du dossier, ça ne nous coûte pas très cher, ça coûte à la ville 1 000 euros de confier effectivement la FPS à l'Antaille. Pas d'objection, adopté. Alors, 32, la convention avec le CIGEF pour l'implantation de 2 bornes électriques. Je m'abstiens. Non, allez-y. Merci Jacques de partager avec nous votre position sur les véhicules électriques. Alors... Par délibération du conseil municipal du 7 juin 2021, la ville de Maisons-Laffitte a transféré au CIGIF la compétence pour l'installation, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 4 bornes ont été installées au niveau de la ville, chacune de 22 kWh en courant alternatif. Les relevés du CIGIF montrent que sur ces bornes, en réalité, 80% des véhicules qui se rechargent à seulement 7 kW, 15% à 11 kW et seulement 5% à 22 kWh en raison des limitations techniques. Il faut donc en moyenne plus de 2h30 aux usagers pour récupérer 100 km d'autonomie, ce qui est tout de même très long et ne couvre pas les besoins en recharge rapide ni n'offre une grande disponibilité de nos bornes pour les usagers. Par cette délibération aujourd'hui, il vous est donc proposé de compléter le parc d'infrastructures actuel avec 2 nouvelles bornes, dont une à recharge rapide. Et en termes d'installation, alors qu'aujourd'hui nous couvrons plus particulièrement l'axe ouest de la ville, de positionner une des bornes rue de la Muette, donc plus au nord, au 85 rue de la Muette. Ça serait de nouveau une borne à recharge lente de 22 kW et une borne à recharge rapide à proximité de l'avenue de Longueuil, au bout de l'avenue de Longueuil, côté parc, au numéro 7 de l'avenue de Longueuil. Merci. Donc, c'est dit dans la délibération, c'est le CIGEF qui paye. Quelle que soit l'opinion personnelle que je puisse avoir sur les voitures électriques, on répond à des besoins que certaines de nos concitoyens demandent. Voilà. Ouais. Oui, monsieur l'ingénieur chimiste. Non, juste, bravo pour ça, hein, félicitations. Et j'avais 2 questions. La première, il y a 2 emplacements sur le document. Donc, ça veut dire la borne, il y a une borne avec 2 prises, c'est ça? Oui, en effet, chaque borne, en fait, c'est 2 emplacements, donc prend 2 places de parking, voire même 3 si on veut un emplacement PMR.
Et la deuxième, donc là, on a une prise, c'est en courant continu. Donc, c'est les autres étaient en courant alternatif, c'est des charges lentes. Et là, c'est la première en continu qui fera à peu près deux fois plus vite, quoi, de sa recharge. OK, ça marche. Bien. Au point 33, sur l'hippodrome, la mise à disposition de l'avenue du Gazon et la convention avec l'ASP. Alors, Serge, alors, en synthèse. C'est tout simple. Hein, à savoir que, nous, comme vous le savez, nous avons fait l'acquisition des espaces extérieurs de l'hippodrome. Et pour y aller, on emprunte l'avenue du Gazon, qui à l'heure actuelle est exploitée par France Gallo. Et on vous propose donc de la récupérer pour pouvoir y accéder à ces parties-là. Celle-ci appartenant bien évidemment au domaine de l'ASP. Voilà. On ne pourrait pas faire plus court, hein, c'est moi qui vous dis. Bien, bravo. Alors, c'est acté avec l'ASP. C'est là où on s'aperçoit qu'il y avait une convention en 63 qui n'avait pas encore été complètement ratifiée, etc. Donc l'avenue Volière demeure ouverte à la circulation publique. Elle est donc domaine public de l'ASP. Elle a du gazon. Tombe dans ce qui va être ensuite l'exploitation de l'hippodrome. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc, il y a tout ça est réglé avec l'ASP. Y a-t-il des remarques? C'est une usine à gaz. Hein, si il faut à chaque fois regarder ce qu'il en est. Mais enfin, ça fonctionne et on va trouver la solution. Pas d'objection? Adopté. Je vous remercie. Alors, j'en viens maintenant au point 34. Aussi, vas-y, mon cher Serge. Eh bien, on va continuer dans le même sens. Bon, à savoir que nous souhaiterions réaménager l'espace, notamment, mais particulièrement autour de l'entrée du camping. Et pour ce faire, on a besoin de faire des acquisitions de parcelles, hein, et notamment par expropriation. Et pour pouvoir travailler et faire un dossier adéquat, nous avons envoyé des études et des éléments sur place. Et pour ceci, nous devons avoir l'autorisation, et on vous demande de nous donner l'autorisation, de pouvoir demander l'autorisation au préfet d'accéder sur le site. Je dois dire que quand j'ai lu ce qui m'a été présenté, j'ai été un peu stupéfait. Mais après vérification, effectivement, c'est la procédure. Normalement, lorsqu'on veut pénétrer dans une propriété privée, il faut aller chercher une décision de justice. Or, il y a une exception, c'est qu'effectivement, pour faire des études en vue d'une DUP, c'est-à-dire avoir tous les éléments qui permettront de monter la DUP et notamment de monter le projet qui va nous permettre de dire « là, on veut faire telle et telle chose et on a les études préalables qui le permettent », eh bien, on demande l'autorisation au préfet. Je dois dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais vous êtes certain? Et effectivement, cette loi de 1892 a été modifiée en 2009 et dans une question écrite, notamment à mon ex-collègue Masson, il est dit qu'effectivement, c'est la procédure qu'on doit employer. Alors, une QPC, j'en sais rien, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Il semblerait que oui. Madame Singer. Alors, en commençant à parler, je forme un espoir que la réponse soit différente que celle qu'on a souvent sur le « vous saurez en temps et en heure ». Vous avez parlé effectivement de ces acquisitions pour faire des aménagements de voirie et de stationnement à proximité du camping. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur les aménagements que vous prévoyez, s'il vous plaît? Alors, le SDRIF a prévu qu'à côté, justement, de la coulée verte, puisqu'elle est réalisée, il doit y avoir une surface de stationnement ad hoc. Et donc, il est prévu. Alors, qui plus est, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une entreprise qui a fait des travaux là-bas de manière totalement illégale et avec laquelle, parfois, j'ai une partie de bras de fer. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes tenus par le schéma directeur de la région Île-de-France à prévoir suffisamment de stationnement, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et donc, il y a toute une partie qui va être, je dirais, rasée. Et voilà. Mais on n'est pas au bout du sujet, hein, parce que ça va donner lieu à Madame Kéraudrin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a actuellement sur ces parcelles et est-ce que ces parcelles sont situées en zone inondable? Oui. Sur la dernière partie, oui, en PPRI.
Deux, il y a tout un tas de... C'est inqualifiable. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, en réalité, ça nécessite une remise en état des terrains. Mais il n'y a pas d'habitation. Non. Enfin, officiellement. Parce qu'ensuite... Bien. Alors, qui est contre, qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous en remercie. Alors, on poursuit avec des choses, je dirais, moins dogmatiques. Et c'est Madame Couton qui va nous présenter la crèche associative Babylou. Oui, tout à fait. Il s'agit simplement du renouvellement de la convention donc avec la crèche Babylou. C'est une convention que nous avons depuis 2019. C'est une crèche qui propose des solutions de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela nous permet de répondre en cas de besoin à des demandes très spécifiques de certains parents. Avec cette convention, nous avons le droit à 5000 heures de garde. C'est l'équivalent de deux berceaux en temps plein. Et quand nous utilisons donc des heures de garde, ça revient à une participation financière de 4,80 € pour la ville de Maisons-Laffitte. Et quand on n'utilise pas les heures de garde, eh bien, ça ne nous coûte rien du tout. Vous avez eu une modification parce que le taux horaire, on se parlait d'augmentation tout à l'heure. Nous avons reçu une notification donc, du président de la crèche Babylou. Avant, c'était 4 € de l'heure et là, on est passé à 4,80 €. Qui fait une augmentation de 20%. Exactement. Alors, au passage, c'est pour les 3,5 ou les 4, je parlais tout à l'heure. Là, ils nous font une augmentation parce qu'il faut qu'on ait cette convention avec eux parce qu'elle rend service. Mais l'augmentation du taux horaire, 20%. Voilà. Ça en dit long sur, je dirais, ce que sont la nécessité d'augmenter les tarifs sans pinailler. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil, Madame Couton-Bis. Oui, nous apportons quelques modifications au règlement de fonctionnement de nos crèches. Ces modifications concernent deux annexes, l'annexe 5 et l'annexe 7, et les articles 2, 7, 19 et 22, tout vous est expliqué dans la délibération. Ils vous ont donc demandé d'approuver ces modifications. Pas d'objection, adopté. Je poursuis, et maintenant nous passons au personnel communal, je ne me suis pas trompé, oui ? Non, il y a avant, il y a, oui, en chiffre romain, 37, donner au maire de signer les futures conventions de gestion en flux. Alors là, c'est l'usine à gaz. Vraiment, on pourrait faire plus simple. Je ne crois pas qu'on y arrive. Alors, Madame Couton. Alors, effectivement, ça porte bien son nom. C'est une véritable usine à gaz. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors, en ce qui concerne la gestion de nos logements sociaux, à aujourd'hui, nous sommes dans une gestion en stock de nos logements. Donc, ce qui veut dire clairement, c'est quand on est en gestion en stock, on reçoit de la part d'un bailleur un avis de congé sur un logement qui se libère. Le bailleur regarde donc le réservataire du logement, à savoir l'État, la commune, Action Logement, et il envoie le congé afin que ce réservataire transmette des candidatures. Donc, en gestion en stock, un logement est toujours associé au même réservataire. Donc, c'est un logement qui appartient à la ville, c'est un logement qui appartient à l'État, c'est un logement qui appartient à Action Logement. La loi Elan nous oblige à passer à une gestion en flux. Alors, ça signifie que le bailleur oriente le logement libéré vers un réservataire pour que ce dernier désigne des candidats. Le logement sera proposé au réservataire qui sera le plus éloigné des engagements pris dans les conventions de réservation. Donc, en fait, maintenant, c'est le bailleur, le rôle du bailleur se trouve modifié et c'est le bailleur qui va définir, en fait, qui va désigner le réservataire du logement. Donc, en ce moment, le travail, on travaille avec les différents bailleurs pour convertir notre stock en flux. Et pour cela, la ville doit signer donc de nouvelles conventions qui vont définir ces modalités de transformation de notre stock en flux et les modalités pratiques de mise en œuvre de ces droits de réservation en flux. Et donc aujourd'hui, il vous est demandé d'autoriser donc Monsieur le maire à signer ces nouvelles conventions avec les différents bailleurs de la ville. Alors, si vous avez compris, vous êtes des chefs, parce que c'est une usine à gaz. Et c'est d'autant plus une usine à gaz que j'ai quelques interrogations, parce que l'État, c'est sur l'attribution... Un bailleur, c'est-à-dire la SEM, pour ne pas la nommer,
va proposer, effectivement, et il a des affectataires, que ce soit les impôts, que ce soit la FASEC, enfin bref. Et à ce moment-là, où l'État, et l'État nous dit, moi, je paierai le loyer, non quand vous allez me faire la proposition, mais quand l'attribution sera effective. Et qui est-ce qui paye le loyer quand, entre les deux, s'il ne trouve personne? Eh bien, c'est le bailleur, ce qui est proprement inadmissible. Donc, on va faire une petite partie de bras de fer, là, et exiger qu'à partir du moment où un bailleur, la SEM, pour ne pas la prendre, aura fait une proposition, eh bien, à partir de ce moment-là, l'État sera devable parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un du loyer. Et je peux vous dire qu'il faut faire très attention parce que les problèmes que nous rencontrons, notamment à la Seine, c'est de trouver immédiatement un locataire dans les locaux, dans les habitations qui sont devenues vacantes. Voilà. Et ensuite, ça n'a pas de sens, ce truc-là. Je peux vous dire que même beaucoup de fonctionnaires qui nagent là-dedans, à chaque fois, il faut réexpliquer. Je remercie Ingrid d'avoir compris, parce que moi, j'ai toujours quelques interrogations à chaque fois. Y a-t-il des remarques? De toute façon, on est obligé d'y passer, hein, je vous le dis tout net, parce que sinon, c'est l'État qui va encore s'approprier la totalité derrière. Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai pas peur de l'État, je n'ai pas peur du préfet, et c'est comme c'est la SEM qui a les logements et qui a les clés, comptez sur moi pour ne pas prendre n'importe qui. Voilà. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Contre? Abstention? Merci. On poursuit. Alors là, maintenant, il va y avoir un grand orateur, qui est Gino Necchi, qui va nous présenter la modification du tableau des emplois. Non, c'est très simple. C'est un tableau qui a été présenté devant le comité social territorial qui intéresse 42 fonctionnaires, soit des fonctionnaires qui sont recrutés, soit des fonctionnaires qui sont dans notre administration, mais qui ont réussi des concours. Par conséquent, je vous demande de voter ce tableau, nouvelle formule. Également, je vous demande de voter la modification des services des professeurs du conservatoire, puisque ça évolue un petit peu sans cesse, j'y viens souvent, par rapport aux demandes et aux diminutions d'heures, aux créations d'instruments, pour permettre effectivement aux professeurs de répondre aux besoins des parents qui font des demandes de cours. Voilà, c'est tout simple. Alors, j'ajoute que c'est à effectif constant. Pas de remarques. Enfin, il y en a 4 pages. Hein, vous pouvez regarder dans le détail. Pas de position adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, pour le recensement, monsieur... Oui, alors je vais vous demander aussi, comme chaque année, puisque maintenant nous avons des recensements toute l'année pour avoir la continuité des opérations, nous autoriser à recruter des agents. De toute façon, c'est une obligation légale. C'est l'État qui impose à chaque collectivité cette obligation. Donc, vous le ferez. Pas de remarque. Moi, j'en ai une à dire que si l'État refaisait correctement un recensement, ce serait mieux que de procéder par sondage. Je le dis comme je le pense. Pas d'objection, adopté. Merci. Alors, Madame Boiron, on le dissout, ce CILS, oui ou non? Le comité syndical du 11 octobre a voté la dissolution du CILS. Il n'y a que la ville de Houille qui est allée contre cette décision. Il faut maintenant que chaque ville passe cette résolution dans leurs conseils municipaux. Ça trouve, il l'a fait, Carrière l'a fait. Donc nous le faisons, nous l'avons passé aussi au CIVOM. Donc on vous demande de voter la dissolution du CILS au 31 décembre 2023. Et on demande au préfet de régler les conséquences patrimoniales et financières de la dissolution. Alors, c'est une longue histoire, une longue saga, mais il y a un moment, il faut trancher. Donc, nous décidons de demander au préfet de dissoudre le CILS. Et nous prendrons les conventions ad hoc pour que nos enfants puissent continuer à avoir les équipements en question. Madame Quiraudrin. Juste une précision. Pourquoi la ville de Houille bloque
Alors ça, faut lui demander. Hein. C'est une bonne question. Alors, ils ont très peur, parce que c'est la ville de Houille qu'il y a le plus d'associations qui ont des créneaux horaires sur les gymnases et de Sartrouville et de Carrières-sur-Seine. Et ils ont très peur qu'avec la dissolution du syndicat des lycées, puisque normalement ce devrait être les villes de Sartrouville et de Carrières qui reprennent les bâtiments qui sont sur leur commune, ils ont très peur, oui, de ne pas avoir tous les créneaux horaires qu'ils ont d'habitude. Sauf que les deux maires, aussi bien le maire de Sartrouville que le maire de Carrières, se sont engagés à signer des conventions avec Houille sur exactement les mêmes nombres de créneaux horaires. Est-ce que c'est bloquant, du coup? On ne pourra pas dissoudre si on n'a pas cet accord? Non. La non, dissolution non. Se fait à la majorité. Après, c'est la répartition. C'est pour ça que l'on demande la répartition. La répartition doit se faire à l'unanimité. C'est pour ça qu'on demande au préfet d'agir. Voilà. Monsieur, attendez un instant. Philippe, d'abord. C'était juste, c'est un peu la même question. On apprend quand même dans la délib que le syndicat, qui entre parenthèses ne servait à rien, devait être dissous, qui ne servait à rien, à la fin il ne servait à rien. Devait quand même être dissous depuis 2015, quoi. C'est quand même un petit peu... Monsieur, je peux vous dire que je passe plus de temps à l'heure actuelle à m'occuper du syndicat des lycées. C'est un imbroglio complet. Le préfet qui nous soutenait au départ a fait un grand pas en arrière. Donc nous avons pris un avocat pour pouvoir dissoudre ce syndicat et nous sommes en train de rédiger des conventions. Donc, quand vous dites que ce qu'ont fait mes prédécesseurs, ça, moi, je n'en sais rien. Depuis que je suis, moi, élue, c'est-à-dire depuis 2000, j'ai bien fait avancer les choses quand même, je pense. Là, vous faites peut-être pour la dissolution, mais avant, il ne servait strictement à rien. Donc, voilà. À quelque chose. La preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, Houille ne veut pas. Donc, c'est que le syndicat servait à quelque chose puisqu'il gérait, cinq gymnases. Non, mais attendez. Bon. C'est pas mélanger les crayons, pour l'usage. C'est un peu complexe. Monsieur Liégeois, jusqu'à maintenant, toutes les villes payent d'une manière directe, soit par fiscalité, soit pour nous par le CIVOM, à l'entretien des équipements. Des équipements sportifs. Et donc, c'est nous qui payons. Or, normalement, tout ça relève de la compétence de la région. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit il faut mettre un terme à tout ça. Mais ça a pris du temps, pour, simplement parce qu'il y en a qui ont traîné les pieds. Et donc, par exemple, la ville, pour rien vous cacher, la ville du Bénil fait des bons de cabri à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'elle paye à travers le CIVOM, une part, quand on lève une cotisation syndicale, alors même qu'elle n'a aucun enfant qui va justement du côté de Sartrouville ou d'ailleurs dans les lycées. Et donc, elle souhaite mettre un terme, etc. On a déjà, notamment en matière d'assainissement, dissous des syndicats, notamment, qui étaient à cheval sur une agglo et sur l'autre. Ce syndicat n'est que, justement, dans l'agglo. Et donc, normalement, il doit être dissous. Ce sont les instructions de l'État. Voilà. Allez, je mets... Nicolas, allez-y. Oui, c'est juste pour comprendre, pour être certain de la procédure, vous avez dit, Madame Boiron, du coup, que le syndicat lui-même a décidé de dissoudre et que maintenant, ça doit passer à travers tous les conseils délibérants. Et si... Dans son conseil municipal, le conseil de Houille décide de voter contre. Enfin, est-ce qu'il a la possibilité de voter contre cette délibération? Et s'il le fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que ça a un impact? Enfin, du coup, le syndicat a décidé de se dissoudre, certes, mais si un des conseils de membres décide d'aller contre, est-ce qu'il y a quand même la règle de la majorité là-dedans? La dissolution se fait à la majorité. C'est la répartition des biens qui se fait à l'unanimité. Et c'est pour ça que nous demandons l'intervention du préfet pour la répartition des biens. Pour parler clair, dissolution majorité,
répartition après, s'il y a un blocage quelque part, l'État prend ses responsabilités et effectue. Voilà. Alors, on a une idée de ce que ça représente comme somme Ça, on ne le sait pas encore, mais c'est des retours. De toute façon, on sait très bien, par exemple, du côté de Sartrouville, ça a été construit sur les terrains de Sartrouville. Hein. Alors, les gymnases qui sont sur les... Enfin, toutes les infrastructures sportives qui sont sur le Sartrouville sont... ont été construites sur des terrains qui appartiennent à la ville. Et le CILS a un bail emphytéotique. Sur Carrière, non, le terrain appartient au CILS. Donc, c'est un imbroglio, un écheveau à démêler. Il faut trouver le bon bout et tirer. Alors, que ça soit très clair, nous allons passer des conventions, nous sommes désireux de passer des conventions. Et bien évidemment, ces conventions vont avoir pour objectif d'assurer l'entretien des équipements jusqu'à la reprise par la région. Voilà. Et la répartition. Voilà. Donc, oui, on a encore un petit chemin à faire, mais il faut qu'on en sorte. Bon, pas d'objection. Nous voterons pour. Pardon ? Nous voterons pour. Mais je n'en doutais pas, parce que sinon, vous auriez... Je vous rassure, monsieur Liégeois, au 31 décembre, je n'aurai plus d'indemnité, si c'est ça qui vous chagrine. Désolé de vous poser des questions sur ce que vous faites. Désolé. Vous ne savez pas qu'il était allé sur ce terrain qui est indigne. Bien, allez, alors contre, abstention à l'unanimité. Bien, alors maintenant, on poursuit. Il y a une présentation d'un certain nombre de... notamment les rapports annuels des délégataires. Je suis sûr que vous les avez lus en long et en large. Le marché communal, le cinéma, le Veolia Eau, distribution. Alors, il y a assainissement et eau. Avez-vous des remarques à ce propos? Donc, nous en prenons acte. Bien, pardon. Madame Lavagne, vous avez lu tout ça? J'en doute. Allez-y. Merci de cette remarque très aimable. Oui, j'ai une question sur celui du marché. L'antépénultième paragraphe, c'est pourquoi il a été décidé de procéder à un contrôle du délégataire prévu par le contrat de délégation du service public afin de vérifier que le calcul de la redevance annuelle est bien effectué dans les règles de l'art. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision, s'il vous plaît? Oui, puisque depuis plusieurs années, le concessionnaire est déficit avec le marché de Maisons Lafitte et on veut vérifier si les calculs sont bien faits et qu'ils se basent sur les bonnes bases pour calculer ce qu'il nous doit. Bien. Voilà, vous êtes satisfaite, c'est parfait. Alors maintenant, le CIVOM, le CIGEF, le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, avez-vous des remarques? Vous n'en avez pas, on en a pris acte. Pour ce qui est de la SEM, votre serviteur qui la préside, je peux vous dire qu'elle se porte bien et qu'elle va notamment faire des travaux assez importants pour l'isolation du square Lequin. Et c'est un très grand chantier qui va s'ouvrir et sur lequel on va solliciter un certain nombre de subventions pour y arriver. Mais c'est un chantier important pour justement isoler ces logements sociaux qui datent, je dirais, de la faillite de la Semibo. Donc, c'est quand même, il y a longtemps, il y a plus de 40 ans. Pas de remarques? Voilà. Alors, le rapport annuel sur les eaux destinées à la consommation humaine. L'eau est bonne, mon cher Claude? Excellente. On n'a que des avis favorables. Bon, donc, buvez de l'eau, mais un peu de pinard de temps en temps pour soutenir la filière agricole. Ça ne manque pas de pain. Alors, maintenant, nous allons donc passer au débat de politique générale de la commune. Et comme je vous l'ai indiqué, donc c'est bien sûr les oppositions. C'est une demande qui nous vient de Madame Lavagne, dont acte. Mais, bien évidemment, elle n'est pas la seule en opposition. Donc je vais demander à Monsieur Ljubenović de nous dire s'il souhaite intervenir pendant 2 minutes. Allez-y. Bien, écoutez, je vais prendre mes 2 minutes de parole. Donnez-moi juste un instant. Oui. Oui, j'y arrive, pardon.
Donc oui, je vais prendre mes 2 minutes. Monsieur le maire, le constat à cette mi-mandat sera malheureusement exactement le même qu'à son tout début. En pensant à la politique municipale, on sent la naphtaline. J'aimerais pour autant dire que ce conservatisme politique, cette fantaisie passéiste, permet de préserver Maison Lafitte, mais ce n'est pas le cas. Son capital naturel s'appauvrit, son capital public de même, et je ne parle pas de son capital social et démocratique. Le bien-être de nos concitoyens passe par un environnement préservé. Au lieu de cela, nous avons des sorties écolo-sceptiques répétées et des contre-vérités dont la majorité municipale, par son silence, est complice. Sur l'écologie, la politique d'intention inefficace ne sert absolument à rien, comme nous avons pu le voir sur la charte de l'arbre ou le soi-disant contrôle sur l'urbanisme. Cette poussée de béton que chaque mansonienne et mansonien aura vue n'a même pas de but social, d'intégration, de mixité. Sur les 3 dernières années, nous avons accompli moins de 8% de nos objectifs de logements sociaux. Nous inscrivons durablement et volontairement hors la loi, hors la République. La politique sociale de la ville sous-financée se rapproche bien plus de la charité que de la fraternité qui orne les frontons. Nous aurions pu croire que votre situation de majorité municipale minoritaire en voie vous aurait poussé à plus d'humilité, vers plus de concertation et moins de verticalité. Néanmoins, et vous l'avouez bien volontiers, ce n'est pas votre méthode car ce n'est pas votre ADN. Ce qui en 2023 ressemble à du bon sens, vous êtes étranger. Je souhaite bien du courage, monsieur le maire, à la personne qui vous succédera à ce fauteuil en 2026, car il n'est plus permis de nous féliciter du minimum, et Maison Lafitte ne peut plus se permettre de regarder les opportunités lui passer à côté. Merci. Le temps, et merci pour me dire, à me représenter en 2026. Bien, cela étant, je passe la parole à madame Kérodrin pour 2 minutes. Allez-y, madame. Tout d'abord, merci au groupe TPML et plus précisément Anne Lavagne d'avoir inscrit à l'heure du jour ce débat. Même si, pour ma part, je pense qu'on n'aura pas vraiment un débat, puisque ce n'est jamais le cas, même lors de la phase des questions. On n'a jamais cette période d'échange qui est pour moi la définition hein, du débat. Mais bon, encore une fois, je peux me tromper, j'irai au cours du soir. En élément de politique générale, je retirerai surtout 2 points, c'est la façon de gérer. C'est là ? La façon de gérer, monsieur le maire. La façon de gérer, c'est-à-dire que pour moi, la ville n'est pas juste un budget. Une ville, c'est un peu comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut investir, il faut sentir le tournant, le virage technologique pour les entreprises, par exemple, pour ne pas mourir. Il faut de l'audace, un peu de modernité. Et la deuxième composante, c'est la vision. La vision qui manque cruellement à cette ville, une vision pas simplement pour l'année à venir ou l'année suivante, c'est-à-dire une vision à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et cette vision manque cruellement dans toutes les choses qui sont faites aujourd'hui, même si, encore une fois, il y a de bonnes idées. On voit, des projets sont portés. Je pense que dans votre équipe, vous avez des compétences particulières qui, heureusement, font avancer les choses. Mais sans cette vision, malheureusement, ces compétences sont bloquées. Ce que je perçois, moi, malgré tout, c'est un certain décrochage de la ville par rapport aux autres villes et parfois des villes qui ont une situation financière moins bonne que Maison Lafitte et ça n'est pas acceptable. Progressivement, je vois le visage de la ville changer, c'est-à-dire qu'on devient une ville dortoir alors qu'on a un capital, un potentiel et effectivement, la ville est bien gérée au niveau du budget. Mais je pense qu'il faut cette vision et sans elle, on se meurt progressivement. Donc, que comptez-vous faire pour relancer cette ville qui est bien trop souvent qualifiée de belle endormie. Merci. Vous avez tenu dans les 2 minutes. Je vous en remercie. Madame Lavagne, c'est à vous pour 11 minutes. Nous sommes organisés et nous serons prêtes à prendre la parole. Pardon ? J'ai pas entendu. Ça ne vous dérange pas que je commence, monsieur le maire ? Si. Allez-y. Bon, très bien. Merci beaucoup. Attendez, que ça soit très clair. Je ne vous décolle pas ça de votre temps. Chacun s'exprime comme il l'entend au sein de votre groupe. Donc, ce n'est pas moi qui vais choisir les orateurs. Donc, c'est vous qui avez décidé de le faire, c'est ça ? Très bien. Voilà, donc je partage ce qui vient d'être dit sur la forme de ce débat de politique générale. Et je dirais même que si on regarde ce que le législateur a voulu en instaurant ce débat de politique générale dans les textes, c'est apporter des solutions à la difficulté de l'exercice des mandats locaux qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement pour exercer ces mandats locaux et notamment
Ce débat de politique générale, dans cette loi, il a été inscrit dans un titre qui s'appelle « Reconnaître et renforcer les droits des élus ». Alors, bien évidemment, ça vous laisse la possibilité sur la forme de ce débat. Et donc, vous avez choisi, en fait, aujourd'hui, que ça ne serait effectivement pas un débat, puisque vous nous donnez la parole successivement. Et puis, en fait, on va enchaîner des monologues. Et puis, après, être obligé d'écouter, effectivement, vos réponses. Mais il est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'avec ce mot de débat, on puisse avoir une discussion, un échange, voire un mot presque et voilà, inaudible, la recherche d'une construction et d'un consensus dans cette ville, puisque tous les élus que nous sommes peuvent avoir des bonnes idées. Voilà, une fois ce préalable un petit peu indiqué, moi je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur et je ne suis pas la seule, je pense que beaucoup de mansoniens, beaucoup de Français sont dans ce registre-là, c'est celui de la transition écologique. Alors je sais que vous, ce n'est pas votre dada, vous pensez que c'est plutôt le dada des bobos parisiens, la transition écologique, mais en fait, on le disait tout à l'heure, Maison Lafitte n'est pas dans une bulle. Et ben voilà, les enjeux à Maison Lafitte, comme ailleurs, ils évoluent. Et il est clair que c'est une priorité qu'il convient d'inscrire dans tous les recoins de la politique de la ville. Et même s'il y a des bonnes volontés qui se montrent et qui mènent des actions en la matière, eh bien, on est encore quand même dans des choses assez modestes. Et on se demande si, à un moment donné, vous allez prendre en compte, ces enjeux-là. Je veux, à ce titre, évoquer deux exemples. L'éclairage public et l'isolation des bâtiments communaux. C'est quand même des projets de long terme. Ça, on se doute bien qu'on ne peut pas faire ça en deux temps, trois mouvements. Et donc, il faut un petit peu de volontarisme pour aller dans le sens de la réduction de des consommations. Et je vais juste prendre l'exemple des luminaires. Donc, on a évoqué ce chiffre au dernier conseil municipal. 3300 luminaires, c'est M. Kopelianski, ça, je crois, qui nous en a parlé. 3300 luminaires. Aujourd'hui, on en a 11% qui sont en LED. Il y en a entre 50 et 100 qui sont changés chaque année. Alors, un petit calcul rapide, même si on est à 100 par an, eh bien, écoutez, ça va mettre 30 ans à changer tous les luminaires de la ville. Donc, moi, ma question, c'est quel est le plan pour accélérer dans ces transformations qui sont importantes? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cela dans les 3 ans à venir, puisque c'est les 3 ans de la suite du mandat? Et puis, un autre sujet qui est concomitant, on sait que la voiture, c'est le poste le plus important dans les émissions de CO2. Et quel est le plan que vous avez prévu pour les mobilités pour qu'il puisse y avoir à Maison Lafitte des alternatives à la voiture? Monsieur le maire, vous le dites souvent, notre ville est unique. Il faut la protéger, il faut protéger notre cadre de vie. Or, le PLU de 2017 n'est plus en adéquation avec la situation actuelle. Il doit être révisé à la lumière du nouveau schéma directeur d'Île-de-France environnemental. Il sera impossible demain de faire face aux lois sur la mixité en sacrifiant systématiquement le cadre de vie et en saturant les terrains. Ajustons le tir et faisons face à la fois aux exigences de la loi SRU et à la loi climat et résilience. Il faut apprendre à les conjuguer. La ville a la responsabilité de la traduction des nouvelles orientations au niveau local. Il est urgent de prendre le virage vers une ville plus durable. Nous sommes à contre-courant. Agissons dès 2024 pour trouver un nouveau modèle d'aménagement. Cessons d'utiliser la carence en logement social pour excuser la nature des projets promoteurs. Soyons plus exigeants avec les projets architecturaux. Rénovons, réhabilitons, avec une vision d'ensemble ambitieuse et à long terme, notre cadre de vie serait moins dégradé. Végétalisons la place du Maréchal-Juin,
débutons le plus possible toutes les cours d'école et créons des espaces ombragés pour nos concitoyens. Après 14 projets immobiliers en 3 ans, rendons au centre-ville et au quartier pavillonnaire de la verdure pour compenser tous les jardins rasés et les arbres abattus. Conservons l'unité de la ville, son identité et son caractère unique. Merci. Allez-y. Monsieur le maire, cadre de vie agréable rime aussi avec services publics locaux de qualité, vie associative riche. Un faible taux d'endettement n'est pas une fin en soi. Avoir 16 millions d'euros d'épargne non ciblés sur des projets interroge. Nous vous demandons d'être proactifs. L'important, c'est de répondre aux besoins des Mansoniens, investir sans attendre que le service public offert aux Mansoniens ne se dégrade. À titre d'exemple, sans parler du conservatoire qui va enfin bientôt déménager, de nombreux services publics sont des bâtiments vétustes. Pourquoi ? Nous demandons des investissements pour 2024, pour l'isolation des bâtiments, comme évoqué par Valérie, et pour sécuriser l'utilisation des modes doux de circulation. Nous souhaitons aussi des services numériques de meilleure qualité. Deux exemples, améliorer l'ergonomie de l'espace famille sur le site internet de la ville pour réserver des prestations périscolaires. Autre exemple, mettre en place un service numérique de réservation de salles, ce qui faciliterait la vie des associations. Alors que la ville a 16 millions d'euros de côté, ciblés sur aucun projet, vous êtes en train de déstabiliser la vie associative en ponctionnant de façon indue les associations. Celles-ci sont obligées de supprimer des activités ou de les organiser dans d'autres villes, ce qui est très préjudiciable pour le tissu associatif de notre ville. Deux points et une conclusion. Le premier sur la sécurité, une promesse qui est la vôtre et que vous utilisez comme un mantra, qui est celle d'une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous connaissons la complexité d'engager des policiers municipaux, mais pouvez-vous nous répondre sur l'aboutissement de cette promesse ? L'autre point qui est un point majeur pour la ville, qui est celui de l'hippodrome, et cet hippodrome, c'est finalement tout le symbole du manque d'anticipation et de l'attentisme qui est le vôtre. L'hippodrome, il est tantôt supprimé de l'ordre du jour du conseil municipal. Il est souvent utilisé comme un argument de campagne électorale, à grand renfort de communiqués de presse. Mais force est de constater que plus de 15 ans après vous avoir demandé un projet, il n'y en a toujours pas. J'ai deux points. Le premier, c'est celui des études. Vous savez, ces études que nous avons votées de bon cœur depuis 6 ans pour plusieurs centaines de milliers d'euros et qui, dans un débat comme celui de ce soir, auraient pu nous permettre de nous projeter dans le cadre d'un débat de politique générale. Ces études, vous n'avez jamais voulu les partager, vous n'avez jamais voulu les publier. Et ce soir, vous pourrez peut-être nous dire ce que vous en avez tiré et finalement si elles vous ont permis d'avoir un projet. Ce soir, nous souhaitons aussi que vous puissiez nous certifier qu'à long terme, cet hippodrome ne sera pas une charge massive pour la ville. Et ce soir, nous souhaitons également savoir quel est ce fameux projet qui allierait à la fois qualité de vie pour les habitants de la ville, reprise des courses, mais surtout projet équilibré. Et en guise de conclusion, nous avons pu voir que, à la fois avec les interventions des autres groupes, mais aussi avec la nôtre, ce soir, c'est l'usure de 35 ans de pouvoir qui vous fait sombrer dans le déni. Déni de l'enlaidissement de votre ville, enlaidissement architectural, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 14 projets, 3 ans. Déni climatique, en fracturant durablement Maison Lafitte, entre son parc végétal et cette ville minérale. Déni de démocratie,
quand les grands projets se font constamment en dehors de toute concertation des Mansoniens. Je pense notamment au projet du parking du marché. Et ce soir, malheureusement, je vois que nous ne sommes pas les seuls à voir que votre vision pour la deuxième partie de mandat est bien précaire. Permettez-moi de vous dire que quand on n'a rien à dire, on se tait. Parce que franchement, chacun va répondre dans l'équipe pour les 15 minutes qui viennent, parce que je trouve qu'il ne faut pas exagérer. Je dirais tout d'abord à Nicolas Lubanovitch, conservatisme passéiste. Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries ? Cessez, je vous le dis, de penser par des slogans. Poussez de béton, mais que je sache qui nous impose de densifier. C'est pas nous, c'est la loi Élan, c'est la loi SRU. Enfin, quand même, regardez la réalité en face, nous sommes effectivement sous des contraintes, avec le SRH, de construire. Je vous rappelle qu'en région parisienne, paraît-il, il faut construire 70 000 logements par an. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État, et qui l'a dit encore à la région. Et maintenant, vous nous parlez du béton, comme vous, Tania, ou vous, Monsieur Givanilovitch, mais regardez la réalité en face. C'est pas nous, nous sommes effectivement dans des contraintes fortes. Madame Kerondrin, il n'y a pas d'échange. La preuve, c'est qu'on fait ça en permanence, mais quand on a surtout, et je donnerai la parole à toute l'équipe Agir parce qu'ils ont des choses à dire, s'il y a des échanges, c'est tout simplement pour être constructif, pas dans la démagogie comme vous le faites à chaque fois. Et je vous le dis très, très fermement. Et là, Madame Lavagne, Madame Singer, je voudrais faire remarquer, Madame Singer, chose que vous ne savez pas, que dans ce débat de politique générale, le gouvernement a traîné les pieds au Sénat. Il était même contre. Vous devriez... Non, madame. Il y a eu une CMP. Je suis désolé, on vous avait parlé, moi je vous réponds. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas y avoir d'échange quand on tronque et que l'on manipule, je dirais, les choses. Et donc, ce n'est pas des monologues, c'est qu'en réalité, nous sommes sous contrainte dans de multiples domaines. La formation écologique, quid, eh bien, on avance petit à petit. Il y a un rapport qui est en train de sortir, effectivement, à la CA et que nous allons mettre en œuvre au fur et à mesure. Quant à l'éclairage public, bon, on va vous dire, Tania, le PLU n'est pas adapté. Et pardon, le PLU n'est pas adapté. C'est vous qui le dites, mais il est parfaitement adapté sur, notamment, les zones vertes, sur les pas japonais, sur la protection de la nature partout. Mais comme vous ne voulez pas voir... Vous nous demandez la végétalisation de la place Juin. Pouvez-vous me dire aujourd'hui si elle était végétalisée, s'il y aurait une luge pour nos enfants? Non. Alors regardez la réalité en face et cessez d'être avec, je dirais, des slogans. Le cadre de vie, l'endettement, Madame Lavagne, mais s'il vous plaît, quand même, arrêtez avec des slogans. Regardez ce qui est fait. Quant à Monsieur Givanilovitch, ça c'est le bouquet, vous l'avez fait terminer, et je dois dire qu'au moins c'est le couronnement de tout, notamment dans les contradictions. Je vous rappelle que sur l'hippodrome, nous avons un plan, nous avons racheté notamment la zone de verdure, nous avons poussé bien sûr sur les tribunes, mais la crise économique impacte comme elle impacte le département, comme elle impacte la région, et qu'il va falloir donner du temps au temps. Donc ne nous dites pas qu'il n'y a pas de projet, c'est que simplement que vous, vous n'en avez pas de projet. C'est aussi simple que ça. Voilà, alors déni architectural, déni... Vous voulez qu'on parle de projet sur l'hippodrome, monsieur le maire ? Madame, s'il vous plaît, on vous a donné la parole, vous l'avez prise, vous avez dit un certain nombre de choses. Je prends mes 30 secondes. Donc je suis désolé, vous avez la première discipline, celle de vous taire. Donc maintenant, qui souhaite répondre, notamment Claude et notre ami Franck. En ce qui concerne l'éclairage, il me semblait, ou alors j'ai pas bien parlé, que j'avais dit effectivement que nous avions un peu plus de 3000 ampoules et qu'il y a 12% de l'éclairage qui était en LED et que le projet que nous avons pour 2024, c'est de changer la totalité de l'éclairage en LED. La question qui se pose, c'est de savoir si on le fera en un an, deux ans ou trois ans. Mais c'est bien prévu dans nos objectifs. Donc on a des entreprises qui sont le pied au plancher pour nous répondre dans cette modification. Oui, attendez. Non, madame,
Vous avez parlé, vous avez dit un certain nombre de non-sens, vous ne parlez pas. Alors maintenant, Franck. Oui, j'ai noté ce que j'ai pu noter. Quelques points tout de même, Monsieur Ljubenović, notamment sur la question des solidarités. Je crois que depuis 2019, et je ne crois pas, même j'en suis sûr, le budget du CCAS est en constante augmentation de budget en budget. Il est passé de 460 000 euros en 2019 à 620 000 euros en 2023. C'est dire tous les efforts qui sont réalisés en matière de solidarité dans notre ville. Quand vous nous parlez par ailleurs de poussée de béton, mais où est passée la question de ce début de conseil municipal? C'est vous qui posez une question sur le nombre de logements sociaux à Maison Lafitte. Donc, du début du conseil à la fin, restez cohérent, Monsieur Ljubenović. La ville, elle a fait, on l'a rappelé tout à l'heure, plus de 13,5 millions de surcharges foncières sur les 15 années qui viennent de s'écouler. Est-ce que c'est une paille? Je ne crois pas. Quand on arrive à 14% de logements sociaux, c'est bien la preuve de la solidarité qui s'exerce à Maison Lafitte. Et je crois que sur la thématique de la restauration scolaire, durant ce mandat, notre majorité municipale, elle a donné des gages. Elle a fait la réforme. C'est notre majorité qui a proposé la réforme au quotient des tarifs de cantine pour s'ajuster aux revenus de chacun. Madame Amélie Théron-Quérodrin. Oui, vous avez vu, j'ai fait un effort. Une ville, je suis désolé, c'est pas une entreprise. On n'a pas du tout la même vision de ce qu'est une ville. Une ville, ça apporte des services publics, mais c'est en rien la gestion d'une entreprise. Quand vous dites décrochage, ville dortoir, pardon, mais on doit pas vivre dans la même commune. Sécurité, petite enfance, saison culturelle, soutien aux associations, et j'en passe. Enfin, vraiment, je pense pas qu'on a que. Enfin, cette vision caricaturale m'échappe vraiment. Et sur la thématique de l'écologie plus globalement. Je rappelle que les deux tiers de la superficie de Maison Lafitte sont des espaces naturels, qu'on a 67 000 mètres carrés de coulées vertes, 416 hectares d'espaces verts, 1000 arbres d'alignement, 3200 arbres isolés en ville, 20 000 arbres dans le parc, nous faisons un bassin de récupération des eaux pluviales sous le complexe culturel, que nous avons créé un verger communal de 500 mètres carrés, que nous luttons contre le gaspillage alimentaire dans les cantines, que nous faisons des efforts pour passer au LED, que nous avons engagé la réduction des déchets de 6% en 2 ans à l'échelle communale, que le plan vélo avance. Et nous en avons encore eu un exemple récemment sur l'avenue Jean Mermoz. Voilà, donc je pense que on n'a pas du tout la même vision de cette belle ville. Oui, moi, je veux bien prendre la parole parce que quand même, j'aime bien entendre des choses, mais des choses justes dont je vais me permettre de les rappeler. Alors, vous avez raison, hein, l'urbanisme, c'est la politique de la ville, mais je crois que Jacques et moi-même, nous y attachons beaucoup, beaucoup d'importance. S'il y a preuve à apporter, sachez que nous sommes attaqués pratiquement tout, enfin, du moins très souvent par les promoteurs et grand ou après, on est gagnant. Alors, des rectifications. D'abord, c'est pas 13 projets, c'est 23. Et sur les 23 projets, 21 sont des projets privés. Autrement dit, on n'en a que la maîtrise de remettre un permis en la matière. Et puis, pour votre simple information, sachez qu'on a construit 498 logements sociaux pour 362 logements sociaux pour 498 en accession. Donc, comme vous voyez, on ne fait rien. Et puis, je voudrais vous dire, l'architecture que vous dites toujours et que vous baptisez toujours comme moche, il n'y a que vous qui l'entendez comme telle. J'entends pas les mêmes choses que vous. Bah, c'est dommage, on ne doit pas fréquenter les mêmes personnes, vraisemblablement. Secondement, vous me parlez de la charte de l'arbre. Je regrette que vous ne l'appuyiez point, vous y avez pourtant participé. Et c'est pas pour les quelques polémiques que vous mettez en place que ça va changer le monde. Sachez qu'on l'utilise tous les jours,
tous les jours sur chaque projet pour permettre d'avoir un bien et d'apporter cette végétation que, comme vous, nous souhaitons. Et dernier point, nous ne sommes pas en place. Je peux vous dire que nous sommes en train de mettre en place, et vous allez le voir dans le prochain municipal, bulletin municipal, un guichet numérique. Voyez, nous aussi, nous sommes au goût du jour. Merci. Oui, donc juste sur nos grands projets, un petit mot. D'abord sur l'hippodrome, rappelez-vous combien vous aviez dit que nous n'arriverions pas avec France Gallo, compte tenu de nos relations, à acquérir l'hippodrome, ce qui a été fait, ce qui est acquérir donc et maintenant la verdure, donc, et effectivement à réfléchir à des projets positifs pour la ville. Au niveau de ces projets, si je vous disais qu'au moment où on l'a pris, le moment ensuite où il va sortir, il y a eu une crise économique extrêmement violente pour l'instant que nous vivons, avec des taux qui sont passés de 1,10% à 4,5% en 9 mois. 9 mois pendant lesquels, justement, il y avait justement la définition de notre projet. Donc, ça veut dire qu'il y a des adaptations. De toutes les façons, les grands projets, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas figé. On les travaille, on les adapte et on les sort. Rassurez-vous, on a beaucoup de projets, des plans A, B, C. C'est certain. Mais actuellement, et pour en parler profondément, c'est extrêmement difficile, parce que sinon, ça peut changer si demain, les taux passent à 8%, ou si au contraire, ils redescendent à 2 ou à 3. Donc voilà une raison d'adaptabilité aussi dans les projets. Quant à la place du marché, on vous en a parlé à de nombreuses reprises, je ne pense pas qu'il y ait d'éléments nouveaux, et là aussi, j'espère qu'avec aussi un plan A ou B, s'il y a besoin, on y arrive, mais je pense que je suis assez optimiste là-dessus. Merci. Moi, c'est juste sur le tissu associatif. On est en ce moment en train de faire les entretiens avec les associations. Je crois qu'il y a des échanges très riches, des soutiens, et on en ressort très heureux, aussi bien nous, en tout cas pour le culturel, mais je pense que pour le sport, c'est pareil, que les associations. Donc, elles ont un réel soutien de la ville et une réelle participation. Merci. Joyeux Noël. Et la date du prochain conseil municipal, monsieur le maire ? Dans moins de 3 mois. On a... Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? On vous le dira.